Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Théo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le château de Franz Kafka. Ça sera notre troisième épisode sur cette œuvre. Et euh, ce soir nous lirons les chapitres 5 et 6. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de passer l'introduction. Et les pauses que je vais effectuer lors de ce live pour aller directement à la lecture, comme bon vous semble, ou peut-être vous faire un marque-page, parce que bon, c'est vrai que ça fait des, des vidéos vachement longues, donc euh, je sais pas, peut-être euh, vous pouvez dire Ah bah, je regarde le chapitre 5 maintenant, j'écoute le chapitre 5 maintenant, et puis euh, dans 3 jours, je sais qu'il y aura le timecode pour le chapitre 6 et ça sera beaucoup plus facile à retrouver. Malin, n'est-ce pas euh, Bref, en tout cas, bienvenue euh, à tous ceux qui vont me suivre en live ce soir et. Euh, bah, un, un grand coucou à ceux qui nous suivent sur YouTube. Comme d'habitude, on commence par une intro de 10-15 minutes, le temps pour moi de parler un petit peu avec vous, euh, de vous donner un petit peu des news, tout ça, tout ça, et euh, laisser le temps aux gens qui voudraient suivre à tout prix la lecture en live d'arriver, tout simplement. Euh... Et du coup, bah, ça fait une semaine qu'on a repris les lives. Wouhou! Ouais, champagne, ça se fête! Euh, on a, ça fait une semaine qu'on a refrit les lives. Euh, donc, pour cette saison 2020, si je puis dire comme ça. Euh, je dis beaucoup trop si je puis. C'est terrible. Bref, c'est un tic de langage que je suis en train de prendre ces derniers temps. Euh, et donc, je voulais dire que euh, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans ma routine. Mais un, vraiment, un truc de malade. Euh, je m'en suis fortement rendu compte, surtout pour. Euh, pour des choses que vous ne voyez pas forcément en live, mais pour euh, la batterie, la pratique de la batterie, la pratique de la basse, de la guitare, j'ai l'impression de revenir à zéro. Enfin non, j'exagère, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de mal et de retourner euh, longtemps en arrière. Euh, mais en fait, je pense que c'est ce qui arrive quand on fait quelque chose de manière très fréquente, très régulière. C'est-à-dire que la guitare, la basse, la batterie, les lives, euh, j'en faisais... Euh, quotidiennement ou quasiment quotidiennement selon les activités. D'ailleurs, bah, la dernière fois que j'ai fait des lives, c'était en décembre et j'ai fait quotidiennement ça pendant 13 jours. Donc voilà, on peut dire quotidiennement même pour les lives. Et euh, en fait, quand tu fais une activité de manière quotidienne, peu importe le domaine, tu t'améliores forcément. Et ça amène à un certain niveau d'exigence, entre guillemets. Ce qui fait que, euh, quand tu t'arrêtes dans ta routine et que tu reviens... C'est très très dur. <laughs> C'est très très dur. Et en fait, ouais, y a, y a, ouais j'appellerais ça comme ça, un niveau d'exigence, entre guillemets. C'est comme si euh, ton corps prenait l'habitude de jouer des trucs et du coup te rendait plus facile des choses que bah, voilà, tu fais tous les jours. Et euh, là, avec la pause des fêtes, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Mais, justement, après cette petite semaine de réhabituation, si on peut dire, je commence à m'en remettre. Je commence, euh, depuis 2-3 jours, à retrouver un petit peu des automatismes et un petit peu de la fluidité à jouer de la batterie de la guitare de la basse et j'espère que il en sera de même pour les lives euh, là j'avoue j'ai je, je, l'impression d'avoir euh, repris le train euh, en marche j'ai l'impression de, de ouais. j'ai l'impression d'être à nouveau dans le mood à nouveau dans le dans le dans la fluidité dans le flux donc euh, ça ça fait plaisir et de ce fait euh, là où la semaine passée je vous ai dit qu'il y aurait peut-être deux lives le mercredi pour euh, la journée gaming de la semaine, euh, et qu'au final je ne l'ai pas fait, et euh, eh bien demain je pense que j'aurai l'étoffe euh, d'assurer deux lives dans une journée. Donc voilà, euh, j'en suis pas sûr, je vous promets pas que ça arrivera. Encore une fois, il peut y arriver des choses, ou bien il peut tout simplement arriver que demain je me lève et je me dise. Ah bah tiens, je travaillerai bien sur mon jeu de société plutôt que partir en live. Ça peut être aussi con que ça aussi. En tout cas, ce qui est validé pour demain, euh, puisque je rappelle c'est mercredi la journée gaming sur ma chaîne. Euh, et donc ce qui est sûr pour demain, c'est que il y a la sortie du, de la mise à jour de Sea of Thieves qui se nomme Legends of the Sea. Et donc j'ai très 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 hâte, à titre personnel et à titre... Euh, Streamerelle euh, de, de découvrir cette mise à jour en votre compagnie. Donc, euh, demain, comme d'habitude depuis quelques mois déjà, tout ce qu'il y a à savoir sur la mise à jour de Sea of Thieves à 21h si la mise à jour euh, tient le coup. C'est à dire que parfois on a des petits ratés, forcément vous le savez, hein, ceux qui jouent aux jeux vidéo, euh, souvent quand il y a des sorties de mages, d'extensions, etc. Il se peut qu'il y ait des bugs, que les serveurs soient down, etc., etc., ou qu'il y ait trop de connexions, du coup, ça soit hyper chaud de se connecter, enfin bref. Tout ce genre de problèmes peuvent arriver et peuvent faire que le live de demain n'aura pas lieu, mais a priori, on est sûr à 99,9% que demain à 21h, il y aura un live sur Sea of Thieves pour présenter la mage avec la lecture du patch note, euh, une présentation de toutes les nouveautés in-game. Je, voilà, je, je switch entre le patch note et l'in-game, pour vraiment aller dans le détail de tout ce qu'il y a à savoir. Et vous montrer en jeu ce que ça rend. Euh, donc voilà pour le programme de demain qui est sûr à 100%. Putain, faut trop que je me coiffe comme ça. Oh my god On dirait euh, un samouraï. Euh, <laughs> donc oui. Euh, ça c'est sûr pour demain. Et sinon, ce qui n'est pas sûr mais qui a de fortes chances d'arriver, c'est un autre live de gaming euh, sur le créneau de 13h16h. Et à ce moment-là, ce que je ferai très vraisemblablement, c'est la suite d'Oxenfree avec une troisième partie. On se replonge encore une fois dans la boucle temporelle d'Oxenfree pour essayer de, de voir ce qu'a à nous proposer cette troisième itération. Voilà, voilou! Comme ça, vous êtes au courant un petit peu de ce qui se trame dans ma live, de comment je m'organise, euh, de comment j'essaie de rendre les lives intéressants, et, euh, et comment je me remets petit à petit dans le mood. Euh, je pense que d'ailleurs, à force de me remettre dans le mood de cette manière, euh, ce qui va finir par arriver et ce qui arrive déjà, enfin ce qui commence déjà à arriver ces derniers jours, c'est que j'ai quelques moments de flottement où je me dis putain j'ai fait tout ce que j'avais à faire ou du moins tout ce que j'avais prévu de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ça coïncide assez bien avec autre chose, qui est que, euh, il n'y a pas longtemps, je ne saurais plus dire quand, mais pendant les vacances de Noël, quoi, grosso modo, euh, j'ai regardé un petit peu des anciens posts, des anciennes vidéos, des anciennes photos, euh, et puis même en discutant avec certaines personnes, je me suis dit, putain, en fait, j'ai quand même fait pas mal de choses. C'est assez rare que je sois satisfait de ce que je fais mais là j'avais au moins la, la satisfaction de me dire putain j'ai quand même euh, pas rien glandé quoi j'ai quand même fait pas mal de choses différentes dans des domaines différents j'ai quand même lancé beaucoup de projets etc., etc maintenant le petit truc qui me fait tiquer c'est qu'il y a beaucoup de ces projets qui n'ont pas été à terme ou euh, ou qui ont été terminés mais que j'aurais bien que j'aurais bien relancé sous une autre forme ou poursuivi ou voilà qui aurait mérité une suite entre guillemets ou euh, ou bien des projets qui sont dans ma tête qui sont en germe et qui euh, bah, n'ont jamais germé pour le moment et du coup du coup du coup ce double sentiment où des fois je me dis bah en fait là j'ai rien à faire j'ai fait tout ce que j'avais prévu et ce sentiment de putain j'ai fait plein de choses mais j'aurais envie de faire encore plus de choses en gros c'est un peu ça le sentiment bah ça matche plutôt bien. Donc j'espère que au fur et à mesure de récupérer le rythme et de me mettre euh, dans la positive attitude, euh, je, je vais réussir à faire de plus en plus de choses. Et ouais, j'ai envie de me motiver à faire de plus en plus de choses, notamment euh, de la musique. Cette année, c'est vraiment l'un de mes gros points. Euh, le point d'orgue. Vous <laughs> avez compris, la musique, point d'orgue, euh, que j'aimerais mettre sur cette année. Donc voilà, j'espère vous proposer bientôt une nouvelle chanson pour mon album. J'espère vous proposer bientôt peut-être des lives Twitch Things, peut-être des lives mini-concerts avec guitare acoustique chant, euh, tout ce genre de choses. Et j'en profite parce que j'allais oublier cette chose, je passe du cocalane, enfin pas du coca-l'âne parce que c'est toujours sur la chaîne, mais euh, j'essaie de speeder parce qu'après on va, on va aller vers la lecture doucement quand même. Je voulais vous dire que euh, je me suis intéressé, donc là je passe à un autre sujet totalement, attention, <laughs> je voulais vous dire que je me suis intéressé au point de chaîne. Comme je le disais la dernière fois, en général, les extensions, les ajouts, si on peut dire, euh, les nouvelles features, les nouvelles mécaniques, etc., que propose Twitch, en général, m'intéressent pas beaucoup parce que je trouve ça assez gadget, assez accessoire, etc. Là, ils ont sorti les points de chaîne récemment qui sont actifs sur toutes les chaînes automatiquement. Et en fait, justement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a rien à activer, il n'y a rien à installer, c'est là de base, euh, c'est très facile d'utilisation, j'ai un peu checké ça euh, en off. C'est très facile d'utilisation. Tu... Et j'ai l'impression que tu peux faire des choses très sympas. En plus, il n'y a rien à payer pour vous. Euh, donc euh, c'est tout bénef. Euh, je trouve que ça a tous les avantages des autres gadgets Twitch sans les inconvénients. Donc, c'est un outil qui, je pense, va bien me botter et qu'il est euh, euh, possible que j'utilise à l'avenir. Euh, D'ailleurs, vous pourrez déjà voir que, euh, en, gros, le, en, gros, voilà, en gros, le streamer euh, peut tout à fait euh, personnaliser l'ensemble de ce qui se rapporte au point de chaîne. C'est-à-dire qu'on peut changer. Euh, l'icône qui représente les points de chaîne, on peut changer même le nom de point de chaîne. Donc vous voyez que pour le moment j'ai mis l'icône euh, bah que vous voyez euh, juste là. L'icône de planétéo, hein, euh, l'espèce de soleil-lune. Euh, donc voilà, pour le moment j'ai mis ça, mais à terme j'ai une idée de, de ce que je ferais et je le, je le changerais bien. J'ai appelé ça des particules de rêve. On reste toujours sur la même thématique, n'est-ce pas? Euh... Et donc, euh, pour le moment, j'ai commencé à personnaliser relativement rapidement. Je vous invite à voir ça sur Twitch en dessous du chat, euh, à droite, en bas à droite de votre écran normalement. Et donc, euh, vous voyez un onglet avec euh, un nombre de points. Quand vous cliquez dessus, c'est écrit récompense de planétéo. Multiplicateur 2 si vous êtes abonné. Il euh, y a des avantages à ceux qui sont abonnés à la chaîne, donc euh, de gagner deux fois plus de points que les autres. Et en gros c'est très simple pour gagner des points, il suffit de faire des actions mais bateau, du style visionner un live, ça vous donne des points. Une fois de temps en temps, il y a un petit coffre qui va apparaître. Si vous cliquez dessus, ça vous donne un bonus de 50 points. Euh, si vous regardez des lives euh, de manière récurrente, donc jour après jour, vous regardez plusieurs lives différents de la chaîne. Et bah ben pareil ça vous ça vous ajoute des points supplémentaires parce que vous avez été... Euh, euh, parce que vous avez été assidu entre guillemets. Il euh, y a aussi si vous si vous faites un follow, si vous faites un abonnement, enfin il y a tout un tas de petites actions sur la chaîne comme ça qui font que vous gagnez des points de chaîne euh, ou des particules de rêve sur ma chaîne. Et euh, à terme, vous pouvez débloquer donc des récompenses. Pareil, c'est moi qui fixe quelle récompense et c'est moi qui fixe le prix, si on peut dire, en point de en points de chaîne que ça représente. Par exemple pour le moment, vous pouvez, pour 440, pour 440 particules de rêve, choisir une émoticône à débloquer pour 24 heures. Euh, pour 550, vous pouvez modifier une émoticône existante et pareil, la débloquer pour 24 heures avec la modification du coup. Et j'ai mis, pour le moment, un truc exorbitant, mais c'est voulu. Euh, c'est le temps que justement je. C'est le temps que je sente l'outil. C'est-à-dire que. Il faut que je me rende compte à quel point c'est facile ou non de gagner des points, parce que j'ai l'impression que c'est très facile. Euh, c'est pour ça que j'ai mis un prix exorbitant, entre guillemets. Euh, j'ai mis 10 000 particules de rêve pour un truc du coup que j'ai créé moi-même, pas un truc qui était déjà présent dans l'outil, dans qui est devenir matelot pour un live. Et en gros, ce que je compte faire, c'est ce que ça intéresse pourront donc dépenser leurs 10 000 particules de rêve dans cette récompense, et euh, grosso modo, pourront venir avec moi, je pense organiser ça, le dernier mercredi de chaque mois, s'il y a des gens qui participent et qui réclament cette récompense. Auquel cas, euh, avec ces personnes, je partirai en live sur Sea of Thieves. Encore une fois, pareil, c'est pour ça aussi que pour le moment j'ai mis cher, j'attends de voir. Euh, J'attends de voir comment je vais organiser tout ça parce qu'il y, y a des conditions sine qua non entre guillemets genre J'ai pas envie de faire des lives avec des gens euh, qui vont avoir un très mauvais micro voire pas de micro Donc euh, voilà Je mets, des, je mets des, euh, des pincettes à tout cela pour le moment Mais euh, le but ça serait donc de partir en live avec les gens qui ont choisi cette récompense le dernier mercredi du mois pour un live sur Sea of Thieves, où grosso modo je me mets entre guillemets à la disposition euh, de l'équipage de viewers et je leur dis Bon bah, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui Hop, on fait euh, de l'arène, on fait de l'aventure, on fait les fables du flibustier, on fait des quêtes, euh, peu importe. Bref, voilà un petit peu l'idée. Euh, J'ai mis en place cette récompense parce que déjà j'avais en tête depuis pas mal de temps euh, d'organiser des, des lives avec des viewers sur Saut. Et en plus, c'est quelque chose que vous me demandez assez fréquemment, puisque j'ai l'impression que tous les viewers qui arrivent, enfin tous les nouveaux viewers qui arrivent sur mes lives Sea Thieves, la première question qu'ils me posent, c'est est-ce que je peux te rejoindre, est-ce que je peux jouer avec toi C'est un truc de fou. Donc j'ai l'impression qu'il euh, y a de la demande entre guillemets pour, euh, bah, pour trouver des équipages tout simplement en fait. Et euh, je dois avouer que j'ai pas forcément le temps, moi personnellement, j'ai déjà... J'ai l'impression de déjà pas avoir le temps pour jouer avec tous mes différents groupes de potes. Donc du coup, jouer avec des inconnus, euh, ben, voilà, disons que c'est pas dans mes priorités. Mais euh, par le biais du coup des lives une fois par mois, ça pourrait être une, un bon compromis, une bonne solution. Et en plus, ben, voilà, ça, ça résout euh, ce que j'avais un petit peu en tête de faire des lives avec les viewers. Voilà, voilà Du coup, moi qui voulais peu parler, au final, comme d'habitude, je me suis laissé embarquer par le flot. Euh, de, de, de la pensée et euh, j'ai beaucoup trop parlé mais je m'arrête là on va commencer la lecture du soir le château de Franz Kafka chapitre 5 d'ailleurs à chaque fois je dis chapitre 5 etc etc dans le bouquin c'est juste écrit 5 il n'y a pas chapitre mais euh, je le dis pour que ça soit plus euh, compréhensible parce qu'à chaque fois ça me fait bizarre de dire 1 <laughs> au lieu de chapitre 1 c'est beaucoup plus euh, limpide bref Installez-vous chers amis, prenez à boire, à manger, vaquez à vos occupations euh, en toute quiétude. Santé à tous. On est parti pour la lecture. La dernière fois, on s'était arrêté sur un live un petit peu différent du premier. Où je trouve l'ambiance lugubre a persisté, l'ambiance absurde, sinistre a persisté. Mais c'est un petit peu déplacé et je trouve que la dernière fois, on avait presque un... Un ton de polar ou de thriller, enfin, c'était assez marrant. Euh, est, franchement, le, le ton et le genre de ce roman est, est très particulier, très flou, mais justement, c'est. Comment dire C'est pas que je le décris comme flou, c'est que le ton est flou. Enfin, je sais pas quoi expliquer ça, mais il y, y a vraiment une absence de frontières, de barrières, il y a des trucs très flous. <laughs> Hyper dur à expliquer ce que je suis en train de dire. Bref. Euh, je vais lire le chapitre 5 qui fait 20 pages si je dis pas de bêtises donc ça va me prendre bien 40-45 minutes on avait vu ça sur les premiers lives je pense que le live d'aujourd'hui va être légèrement plus long que celui de la fois passée qui avait été plutôt court là logiquement ça va être entre la taille du premier et du deuxième épisode donc je pense qu'on est parti pour bien une heure et demie quelque chose comme ça. Pendant la lecture comme d'habitude je ne m'interromps pas pour que ce soit un maximum fluide et agréable à vos oreilles. On retrouve notre personnage, notre euh, héros euh, K, l'initial K, euh, qui doit euh, donc qui, a, qui vient de parler avec la patronne euh, du sort de Frida, etc. notamment, et qui euh, avait pour projet d'aller parler au maire, si je dis pas de conneries. Voilà, voilou. Écoutez, j'arrête de bavarder. Je pense qu'on est bien dans le mood. Je vous souhaite à tous une bonne écoute que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube, et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Bonne écoute. Chapitre V Chez le maire K n'appréhendait guère l'entrevue avec le maire, à sa propre surprise. Il chercha à se l'expliquer en se disant que d'après ses expériences jusque-là, les rapports officiels avec les autorités du comté avaient toujours été très simples. Cela tenait aux directives précises et apparemment tout à son avantage qui avaient manifestement été données sur la façon de traiter son cas, ainsi qu'à l'admirable coordination entre les bureaux, qu'on devinait d'autant plus parfaite qu'on ne la soupçonnait pas. Lorsqu'il ne pensait qu'à ces choses, K n'était parfois pas loin de juger satisfaisante sa situation, même si, après ses accès de bien-être, il se disait bientôt que le danger résidait justement là. Les rapports directs avec l'administration n'étaient pas trop difficiles, car, malgré la qualité de son organisation, elle n'avait toujours que des choses lointaines et invisibles à défendre au nom des lointains et invisibles messieurs, tandis que K luttait pour des intérêts vitaux et immédiats, il luttait pour lui même, et au moins dans les tout premiers temps, de sa propre initiative, car c'était lui l'attaquant. Et il n'était pas seul à lutter, il avait manifestement à ses côtés d'autres forces qu'il ne connaissait pas, mais auxquelles il pouvait croire, vu les mesures prises par les autorités. Cependant, en lui cédant d'emblée sur des broutilles, il ne s'était guère agi de plus jusque-là, les autorités lui ôtaient la possibilité de petites victoires faciles, et avec cette possibilité, la satisfaction et la légitime assurance qu'il en eût retirées en vue de plus grandes batailles. Au lieu de quoi, en laissant K se promener à son gré dans les limites du village, elles le dorlotaient et l'affaiblissaient. Elles éliminaient toute espèce de lutte, et en contrepartie, elles le cantonnaient dans une vie sans caractère officiel, une vie totalement embrouillée, trouble. Et bizarre. S'il ne restait pas constamment sur ses gardes, il se pouvait ainsi fort bien qu'un jour, malgré toutes les amabilités des autorités et son strict respect des obligations excessivement légères qui lui incombaient, trompé par cette apparente bienveillance, qu'à conduise sa vie privée avec une telle imprudence, qu'il en arrive à craquer, et qu'alors les autorités, avec la même douceur et la même amabilité, sans le vouloir pour ainsi dire, mais au nom d'un ordre public inconnu de lui, soient contraintes d'intervenir pour l'écarter. » Et qu'était-ce au juste que la vie privée ici Nulle part encore K avait vu la vie privée et la vie professionnelle aussi étroitement liées, au point qu'elle donnait parfois l'impression d'avoir permuté. Que signifiait par exemple le pouvoir, jusqu'ici de pure forme, que clame exerçait sur le service de K, comparé au pouvoir bien réel, celui-là, qu'il avait dans la chambre de K En somme, si une attitude un peu plus insouciante, une certaine décontraction était de vigueur vis-à-vis -vis des seules autorités il fallait partout ailleurs faire preuve d'une grande prudence et regarder autour de soi avant de faire un pas. Sa visite chez le maire confirma d'abord largement K dans sa vision des autorités locales. Le maire, gros homme affable et rasé de près, était malade. Il avait une mauvaise crise de goutte et reçut K allongé dans son lit. Voici donc, monsieur notre arpenteur, dit-il, voulant se redresser pour saluer, mais il n'y parvint pas et en désignant ses jambes pour s'excuser il se laissa retomber sur ses oreillers. Une femme silencieuse qui semblait presque une ombre dans cette chambre obscure aux étroites fenêtres, plongée encore davantage dans les ténèbres par les rideaux, apporta à K un fauteuil et le plaça près du lit. Asseyez vous, monsieur l'arpenteur, asseyez vous, dit le maire, et dites moi ce que vous désirez. K lui lut la lettre de clam, en ajoutant quelques remarques. De nouveau, il eut ce sentiment d'extrême facilité des rapports avec les autorités elles prenaient littéralement tout sur leurs épaules, on pouvait leur faire porter n'importe quel fardeau en restant soi même libre et léger. Comme si le maire lui aussi l'eût senti de son côté, il se retourna dans son lit, mal à son aise, et finit par dire. Comme vous l'avez vous même observé, monsieur l'arpenteur, j'étais au courant de tout. Si je n'ai encore pris aucune disposition, c'est d'abord à cause de ma maladie, et aussi parce que vous avez tant tardé à venir, que je finissais par croire que vous aviez renoncé à tout cela. Mais puisque vous avez l'amabilité de venir vous-même me rendre visite, je dois à présent vous dire toute la désagréable vérité. Vous avez été engagé comme arpenteur selon votre formule, mais, hélas. Nous n'avons pas besoin d'arpenteur. Il n'y aurait pas le moindre travail à lui donner. Les limites de nos petites exploitations sont établies, tout figure au cadastre, les propriétés changent rarement de main, et nous réglons nous-mêmes les petits litiges de mitoyenneté. Quel besoin aurions nous donc d'un arpenteur? sans y avoir vraiment réfléchi au préalable, K eut l'intime conviction qu'il s'attendait à une annonce de ce genre. Il put donc aussitôt répondre. Voilà qui me surprend fort cela bouleverse tous mes calculs. Il me reste à espérer qu'il s'agit d'un malentendu. Hélas. Non, dit le maire, tout est bien comme je viens de vous le dire. Mais comment cela est il possible? s'écria K. Je n'ai tout de même pas fait ce voyage interminable pour être maintenant renvoyé dans l'autre sens. C'est là une autre question, dit le maire. Je n'ai pas à en décider, mais en revanche, je peux vous expliquer comment ce malentendu a été possible. Dans une administration aussi vaste que celle du comté, il peut arriver que telle section prenne une première disposition, et telle autre une deuxième, sans qu'aucune ne le sache. L'inspection qui les contrôle, a beau être très scrupuleuse, par nature elle intervient trop tard, et il peut donc en résulter malgré tout une légère confusion. Certes, il s'agit toujours d'infimes détails, comme par exemple votre cas, dans les affaires importantes, je n'ai encore eu vent d'aucune erreur, mais les petits détails aussi sont souvent assez pénibles. Concernant votre cas, je vais vous dire en toute franchise ce qui s'est passé, sans me retrancher derrière le secret professionnel. Je suis trop peu bureaucrate pour cela. Je suis un paysan, un hein, point c'est tout. Voici longtemps, j'étais alors maire depuis quelques mois seulement. Un décret nous parvint de je ne sais plus quelle section, indiquant sur le ton catégorique coutumier à ces messieurs de là-haut qu'il fallait nommer un arpenteur et que la Commune devait tenir prêt tous les plans et tracés nécessaires à son travail. Bien entendu, ce décret ne pouvait vous concerner cela, car cela fait bien des années, et je ne m'en serais pas souvenu si je n'étais pas malade, ce qui me donne le temps de songer dans mon lit aux choses les plus ridicules. Midi, dit il en interrompant soudain son récit pour s'adresser à la femme, qui, s'affairant sans, sans cesse à d'incompréhensibles occupations, traversa rapidement la chambre, jeta un coup d'œil dans l'armoire, s'il te plaît. Pardon. Pardon, je reprends. Midi, dit il en interrompant soudain son récit pour s'adresser à la femme qui, s'affairant sans cesse à, à d'incompréhensibles occupations, traversa rapidement la chambre. Jette un coup d'œil dans l'armoire, s'il te plaît. Tu trouveras peut-être le décret. C'est qu'il remonte à mes premières années de service, expliqua t-il à K. À l'époque je gardais encore tout. La femme ouvrit aussitôt l'armoire. K et le maire regardaient. L'armoire était bourrée de papiers, et à l'ouverture, deux grandes liasses de dossiers roulèrent par terre, qui étaient ficelées comme le sont les fagots de petits bois. Effrayée, la femme s'écarta d'un bond. C'est peut-être en dessous. En dessous fit le maire, la dirigeant depuis son lit. Obéissante, la femme saisit les dossiers à deux bras et jeta par terre tout le contenu de l'armoire pour parvenir aux papiers situés en dessous. La moitié de la chambre était maintenant couverte de papier. Il y a eu beaucoup de travail accompli. Fit le maire en hochant la tête. Et ce n'est qu'une petite partie. J'en ai rangé la plus grande masse dans la grange, et à vrai dire, la plupart se sont perdus. Comment garder tout ça Mais il y en a encore beaucoup dans la grange. Vas-tu pouvoir retrouver le décret fit-il ensuite en se tournant vers sa femme. Cherche un dossier qui porte le mot Arpenteur souligné en bleu. Il fait trop sombre ici, dit la femme. Je vais chercher une bougie. Et elle sortit de la chambre en enjambant, en enjambant le tas de papiers. Ma femme m'est d'un grand soutien, dit le maire, dans ce lourd travail administratif, et qui est à faire à côté du reste. J'ai beau être aidé par l'instituteur pour les écritures, je n'arrive pas à en venir à bout. Il reste toujours beaucoup de dossiers en retard, ils sont rassemblés là, dans cette armoire. Et il désigna un autre meuble. Et surtout, maintenant que je suis malade, cela s'accumule drôlement, fit-il en se recouchant d'un air fatigué, mais fier aussi. Ne pourrais-je pas aider votre femme à chercher dit K, tandis que revenu avec la bougie. La femme à genoux, devant l'armoire, cherchait le décret. Le maire secoua la tête en souriant. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas tenu par le secret professionnel vis-à-vis -vis de vous, mais tout de même pas au point de vous laisser fouiller dans le dossier. Le silence se fit dans la chambre, on entendait juste le froissement des papiers. Le maire s'était peut-être un peu assoupi. Il y eut des petits coups frappés à la porte, et K se retourna. C'étaient les assistants, bien sûr, mais ils étaient déjà un peu mieux élevés. Au lieu de se ruer dans la chambre, ils commencèrent par chuchoter à travers la porte légèrement entr'ouverte. Nous avons trop froid, dehors. Qui est ce? demanda le maire en sursautant. Ce sont juste mes assistants, fit K. « Je ne sais où leur dire de m'attendre. Dehors il fait trop froid, et ici ils vont nous déranger. Ils ne me dérangent pas, fit gentiment le maire. Mais c'est les entrées. D'ailleurs je les connais. Ce sont de vieilles connaissances. Mais moi, ils me dérangent, dit Ka avec franchise. En promenant son regard tout à, tour à tour sur les assistants, puis sur le maire, puis de nouveau sur les assistants, il trouvait leurs sourires à tous les trois impossibles à distinguer. « Mais puisque vous êtes là, » risqua-t-il, « restez et aidez Madame le maire à chercher un dossier avec le mot « arpenteur » souligné en bleu. » Le maire ne fit pas d'objection. Ce qui n'était pas permis à la cale était à ses assistants. D'ailleurs, ils se jetèrent aussitôt sur les papiers, mais au lieu de fouiller, ils farfouillèrent en tous sens, et chaque fois que l'un déchiffrait un dossier, l'autre le lui arrachait des mains. La femme, à l'inverse, était à genoux devant l'armoire vide et semblait avoir cessé de chercher en tout cas la bougie était posée trop, très loin d'elle. Donc, fit le maire avec un sourire satisfait, comme si tout venait des dispositions qu'il avait prises mais que personne ne fût en mesure de s'en rendre compte, les assistants vous gênent. Pourtant ce sont vos propres assistants. Non, dit Ka froidement, c'est seulement ici qu'ils ont accouru vers moi. « Comment cela a couru vers vous » fit-il. « Vous voulez dire sans doute qu'ils vous ont été affectés ?»« Si vous voulez affectés, » dit K. « Mais ils auraient pu aussi bien tomber du ciel tant cette affectation a été réfléchie. »« Rien ici n'est irréfléchi, » fit le maire, et oubliant jusqu'à son mal de pied, il se redressa sur son séant. « Rien, » dit K. « Et ma nomination ?»« Votre nomination aussi a été bien pesée, » fit le maire, « mais des circonstances secondaires sont venues semer la confusion. » je vous le montrerai. Dossiers à l'appui. On ne retrouvera pas ces dossiers, c'est sûr, dit K. On ne les retrouvera pas? s'écria le maire. Midi, dépêche toi un peu, s'il te plaît. Mais peu importe, je peux vous raconter l'histoire sans dossier. À ce décret dont j'ai déjà parlé, nous avons répondu par une lettre de remerciement précisant que nous n'avions pas besoin d'arpenteur. Mais cette réponse ne semble pas être parvenue à la section d'origine que j'appellerais A, mais par erreur à une autre section B. La section A est donc restée sans réponse, hélas. B ne reçut pas non plus la totalité de notre réponse. Soit le contenu du dossier est resté en arrière chez nous, soit il s'est perdu en chemin. Mais sûrement pas à l'intérieur de la section, ça je peux le garantir. En tout cas, la section B aussi ne reçut qu'un bordereau stipulant juste que la pièce jointe, mais hélas manquante, avait trait à la nomination d'un arpenteur. Entre-temps, la section A attendait notre réponse. Elle avait certes porté cette affaire au registre, mais comme on comprend que cela arrive parfois, et comme bien sûr cela peut arriver malgré un suivi toujours rigoureux, le chef de bureau s'en remit à une réponse de notre part, après quoi soit il nommerait l'arpenteur, soit il poursuivrait sa correspondance avec nous le cas échéant. C'est pourquoi il négligea cette mention portée au registre, et oublia toute l'affaire. Mais à la section B, le bordereau parvint à un chef connu pour sa conscience professionnelle. Il s'appelle Sordini, c'est un Italien, même moi qui fais partie des initiés, je n'arrive pas à comprendre qu'on laisse un homme aussi doué dans un poste parmi les plus subalternes. Ce dénommé Sordini nous renvoya bien sûr le port de Rovida à compléter. Or, depuis la première correspondance de la section A, bien des mois, voire des années, s'étaient écoulés, ce qui se comprend car lorsqu'un dossier suit la bonne voie, comme c'est la règle, il ne met pas plus d'un jour à parvenir à la section destinataire, et il est traité le jour même. Mais lorsque d'aventure il s'égare, et vu l'excellence de l'organisation, il faut vraiment qu'il y mette un zèle particulier pour arriver à se perdre. Alors alors les choses durent fort longtemps, c'est vrai. Aussi, lorsque nous reçûmes la note de Sordini, nous n'avions qu'un très vague souvenir de l'affaire. Nous n'étions à l'époque que deux pour ce travail, Midzi et moi. L'instituteur ne m'avait pas encore été affecté. Nous ne gardions de copies que pour les affaires les plus importantes. Bref, nous pûmes seulement répondre en termes très vagues que nous ignorions tout de cette nomination et n'avions pas besoin d'arpenteurs. Mais, s'interrompit le maire, comme s'il s'était laissé entraîner trop loin par son récit, ou comme si cette possibilité devait au moins être envisagée, cette histoire ne vous ennuie t-elle pas? Non, dit K, elle m'amuse. Là-dessus le maire. Ce n'est pas pour vous amuser que je vous la raconte. Elle m'amuse simplement, fit K, parce qu'elle me donne une idée du ridicule imbroglio qui, dans certaines circonstances, décide de l'existence d'un homme. Vous n'en avez encore pas la moindre idée, dit le maire avec gravité. Et je peux vous raconter la suite. Bien sûr, un homme tel que Sordini ne s'est pas contenté de notre réponse. Je l'admire, même s'il me cause bien des tourments. Car il se méfie de tout le monde. Par exemple, même s'il a pu constater à d'innombrables reprises qu'un homme était parfaitement digne de confiance, il se méfie de lui la fois suivante comme s'il ne savait rien de lui. Ou plus exactement, comme s'il savait que c'était un gredin. Je lui donne raison. C'est ainsi qu'un fonctionnaire doit procéder. Hélas. Ma nature m'empêche de suivre ce principe. Vous voyez bien avec quelle franchise je vous présente tous les faits, alors que vous êtes un étranger. C'est plus fort que moi. Sordini, lui, se méfia aussitôt de notre réponse. Une abondante correspondance s'ensuivit. Sordini me demanda d'où m'était venue soudain l'idée qu'il ne fallait pas nommer d'arpenteur. Aidé par l'excellente mémoire de Midzi, je répondis que la première impulsion avait émané de l'administration elle même. Bien sûr, nous avions depuis longtemps oublié qu'il s'agissait d'une autre section. Sordini, alors, pourquoi avais-je attendu si longtemps pour mentionner cette dépêche officielle Alors moi, parce que je venais juste de m'en souvenir. Sordini, c'était très bizarre. Moi, cela n'avait rien de bizarre vu le laps de temps écoulé depuis le début de cette affaire. Sordini, mais si, c'était bizarre car la dépêche dont je me suis souvenu n'existait pas. Moi, bien sûr qu'elle n'existait pas puisque tout le dossier avait été perdu. Sordini, cette première dépêche devait malgré tout figurer au registre. Or, ce n'était pas le cas. Alors je m'interrompis, car je n'osais affirmer ni croire qu'une erreur eût été commise dans la section de Sordini. Peut-être, monsieur Larpenteur, reprochez-vous en pensée à Sordini de ne pas avoir au moins enquêté auprès des autres sections, en tenant compte de mes affirmations. Mais c'est là justement qu'eût été la faute. Je veux que rien ne vienne ternir l'image de cet homme, fût-ce dans vos pensées. C'est un principe de fonctionnement administratif que les possibilités d'erreur ne soient même pas envisagées. L'excellente organisation de l'ensemble justifie ce principe. « Il est nécessaire si l'on veut arriver à traiter les dossiers au plus vite. » Sordini ne devait donc pas enquêter auprès des autres sections. D'ailleurs, elle ne lui aurait pas répondu, car elle juste aussitôt remarqué qu'il s'agissait de déceler une éventuelle erreur. « Permettez-moi, monsieur le maire, de vous interrompre en vous posant une question, » dit K. « N'avez-vous pas évoqué tout à l'heure un service d'inspection ?»« À vous entendre, il règne une telle pagaille qu'on est pris de malaise à l'idée qu'aucun contrôle ne puisse s'exercer. » Vous êtes très sévère, dit le maire, mais multipliez par mille votre sévérité, et ce ne sera encore rien par rapport à celle dont l'administration fait preuve vis-à-vis d'elle même. Seul un parfait étranger peut poser une question comme la vôtre. Y a t-il des services d'inspection? Mais il n'y a que cela. Certes, ils ne sont pas chargés de détecter les erreurs au sens grossier du terme, car ils n'en arrivent jamais, et même lorsqu'il s'en produit une, comme dans votre cas, qui peut dire une fois pour toutes s'il s'agit d'une erreur? Voilà qui serait vraiment nouveau s'écria K. « Pour moi, c'est de la vieille histoire, » fit le maire. « Comme vous, je ne suis pas loin d'être convaincu qu'il y a eu une erreur, et Sordini de désespoir en est tombé gravement malade. C'est là aussi que les premiers services d'inspection auxquels nous devons d'avoir découvert sa source détectent l'erreur. Mais qui pourrait affirmer que le deuxième service d'inspection partage ce jugement Et le troisième Et tous les autres par la suite ?»« Admettons, » dit K. « Mais je préfère ne pas entrer dans ce genre de considération car c'est la première fois que j'entends parler de ces services, et je suis bien sûr encore incapable de les comprendre. Mais je crois qu'il faut distinguer deux choses ici. Premièrement, ce qui se passe au sein de l'administration et qui se prête à telle ou telle interprétation administrative deuxièmement, ma personne réelle, moi, qui suis en dehors de l'administration, et qui suis menacé par elle d'un préjudice si absurde que je n'arrive toujours pas à prendre ce danger au sérieux. Ce que vous me racontez avec une compétence stupéfiante et bien peu commune, vous sans doute pour le premier point monsieur le maire mais je voudrais aussi entendre un ou deux mots me concernant. J'y viens dit le maire. Mais vous ne pourriez pas comprendre si je n'ajoutais deux ou trois remarques préalables. Déjà mon allusion au service d'inspection était prématurée. J'en reviens donc aux divergences avec Sordini. Comme je l'ai mentionné, j'ai peu à peu baissé ma garde, mais lorsque Sordini a le moindre avantage sur qui que ce soit, il a déjà remporté la victoire, car il redouble alors d'attention, d'énergie et de présence d'esprit. Et le spectacle qu'il offre est redoutable pour sa victime, magnifique pour les ennemis de celle-ci. Si je peux vous parler ainsi de lui, c'est que dans d'autres cas, j'ai aussi éprouvé cette dernière sensation. Du reste, je n'ai jamais réussi à le voir de mes propres yeux. Il est trop accablé de travail pour pouvoir descendre jusqu'ici. D'après la description qu'on m'a faite de son bureau, tous les murs disparaissent derrière des colonnes constituées de grosses liasses de dossiers empilés les uns sur les autres. Ce sont là simplement les dossiers courants auxquels Sordini travaille, et comme on ne cesse de prendre et d'ajouter des dossiers dans les liasses, et que tout se fait dans une grande précipitation, ces colonnes n'arrêtent pas de s'écrouler, et ces effondrements à répétition sont même devenus caractéristiques du bureau de Sordini. Eh oui, Sordini est un travailleur, et il consacre le même soin aux cas de très petite et de très grande importance. En évoquant le mien, monsieur le maire, vous le classez toujours parmi les cas mineurs, dit K. Et pourtant, il a beaucoup occupé de nombreux fonctionnaires. Si peut-être au début il était tout à fait mineur, le zèle de bureaucrate comme M. Sordini a fini par lui donner de l'ampleur. Malheureusement, et eh bien malgré moi, car mon ambition n'est pas de faire grossir et dégringoler des piles de dossiers me concernant, mais simplement de travailler paisiblement en modeste arpenteur devant une petite table à dessin. Non, fit le maire, votre cas n'est pas très important. De ce côté-là, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. C'est un des plus insignifiants de tous. Le volume de travail ne détermine pas l'importance du cas vous êtes encore loin de comprendre l'administration si vous croyez cela. Et même si le volume de travail entrait en ligne de compte, votre cas serait l'un des plus minimes. Les cas ordinaires, j'entends par là ceux qui ne comportent aucune prétendue erreur, donnent encore beaucoup plus de travail, mais un travail beaucoup plus productif, à dire vrai. D'ailleurs, vous ignorez encore tout du véritable travail que votre affaire a occasionné, car je m'apprête à vous en parler. Dans un premier temps, Sordini me laissa en dehors du coup, mais ces fonctionnaires vinrent vite, pardon. Mais ces fonctionnaires vinrent ici, et chaque jour des notables de la commune furent soumis à des interrogatoires avec procès-verbaux à l'auberge des messieurs. La plupart furent de, me, de mon côté, certains seulement eurent un moment d'hésitation. La question de l'arpentage touche de près les paysans. Ils flairaient je ne sais quelles manigances et quelles injustices cachées. En outre, ils trouvèrent un chef, et leurs déclarations persuadèrent sans doute Sordini que. Si j'avais soulevé la question au conseil municipal, ils n'auraient pas tous été hostiles à la nomination d'un arpenteur. C'est ainsi qu'une évidence, à savoir l'inutilité d'un arpenteur, a fini par être au moins remise en question. Un certain Brunswick s'illustra particulièrement à cette occasion. Vous ne le connaissez sans doute pas, ce n'est pas un mauvais bougre peut-être, mais il est idiot et fantasque. C'est un beau-frère de Lasman. Du tanner demanda K. Et il décrivit le barbu qu'il avait vu chez Lasman. Oui, c'est bien lui, dit le maire. Je connais aussi sa femme, hasarda C'est possible, fit le maire, et il se tut. Elle est belle, fit K, mais un peu pâle et souffreteuse. Elle est originaire du château, sans doute, dit-il sur un ton à moitié interrogateur. Le maire regarda l'horloge, versa du sirop dans une cuillère et l'avala d'un trait. Au château, vous ne connaissez que les bureaux, sans doute, demanda Ka à brûle-pourpoint. Oui, fit le maire avec un sourire ironique et pourtant reconnaissant. C'est d'ailleurs l'essentiel. Quant à Brunswick, si nous pouvions l'exclure de la commune, nous en serions presque tous ravis, et Lazemann le premier. Mais à cette époque, Brunswick acquit une certaine influence. Il n'a certes rien d'un orateur, mais il est fort en gueule, et cela suffit à bien des gens. C'est ainsi que je me vis contraint d'exposer l'affaire au conseil municipal. Ce fut d'ailleurs dans un premier temps la seule victoire de Brunswick. Car bien sûr, la grande majorité du conseil municipal ne voulut pas entendre parler d'arpenteur. Cela aussi remontera des années, mais pendant tout ce temps, l'affaire n'a pas été classée. D'une part, à cause de la méticulosité de Sordini, qui prétendit sonder minutieusement les motifs de la majorité comme ceux de l'opposition, et d'autre part, à cause de la bêtise et de l'ambition de Brunswick, qui entretient des liens personnels avec les autorités et ne cesse, et ne cesse de les mobiliser par de nouvelles inventions. Bien entendu, Sordini ne se laissa pas duper par Brunswick. Comment Brunswick pourrait il duper Sordini? Mais pour ne pas se laisser duper, il dut effectuer de nouveaux sondages, et avant même qu'ils fussent terminés, Brunswick avait trouvé une nouvelle invention car il est très vif, cela va de pair avec sa bêtise. Ceci m'amène à évoquer une particularité de notre appareil administratif. Parce qu'il est précis, il est aussi extrêmement sensible. Lorsqu'une affaire a été examinée très longtemps, et avant même que l'examen en soit terminé, il peut arriver soudain qu'un règlement intervienne avec la rapidité de l'éclair en un lieu impossible à prévoir et à retrouver après coup, règlement qui met un terme à l'affaire en général fort à propos, mais avec une part d'arbitraire cependant. C'est comme si l'appareil administratif avait fini par ne plus pouvoir supporter la tension et l'énervement que lui infligeait depuis des années la même affaire, peut être en soi négligeable, et avait de lui même pris la décision sans la collaboration des fonctionnaires. Bien sûr, il ne s'est produit aucun miracle, et tel ou tel fonctionnaire a dû clore le dossier par écrit ou prendre une décision non écrite. En tout cas, de notre point de vue à nous ici, et même du point de vue de l'administration, il est impossible d'établir quel fonctionnaire a pris cette décision et pour quel motif. Seuls les services d'inspection l'établiront, mais beaucoup plus tard, et nous autres, nous n'en entendons plus parler. Du reste, cela n'intéresserait plus grand monde. Comme je vous l'ai dit, ce sont d'excellentes décisions dans la plupart des cas. Leur seul inconvénient fréquent dans pareilles situations, c'est qu'en général on apprend ses décisions trop tard, et qu'entre temps les passions continuent de se déchaîner autour d'une affaire réglée de longue date. J'ignore si dans votre cas il y a eu une décision de ce genre il y a autant de raisons de le croire que de ne pas le croire mais à supposer que oui, la nomination vous aurait été expédiée et vous auriez entrepris ce grand voyage jusqu'ici, beaucoup de temps se serait écoulé et dans l'intervalle, Sordini aurait continué à s'échiner sur la même affaire, Brunswick à intriguer, et moi à être tourmenté par ces deux hommes. J'indique juste cette éventualité, mais voici ce dont j'ai la certitude. Un service d'inspection découvrit durant ce temps que plusieurs années auparavant, la section A avait interrogé la commune au sujet d'un arpenteur, sans avoir jamais reçu de réponse. On m'interrogea de nouveau, et toute l'affaire se clarifia. Je répondis à la section A. Que nous n'avions pas besoin d'arpenteurs. Elle se contenta de cette réponse, et Sordini dut reconnaître que cette affaire avait dépassé sa compétence et qu'en toute innocence, il avait fourni cependant un travail inutile et usant. Si de nouvelles tâches ne nous avaient pas assaillis de tous côtés comme toujours, et si votre cas n'avait pas été que de très petite importance, on peut presque dire le plus insignifiant des cas, nous aurions sans doute tous poussé un soupir de soulagement, y compris Sordini, je crois. Seul Brunswick s'en montra contrarié. Mais cela ne fit que le ridiculiser. Et maintenant imaginez ma déception, monsieur l'arpenteur, lorsque, après l'heureuse conclusion de toute cette affaire, et beaucoup de temps s'est encore écoulé depuis, vous apparaissez soudain, et que tout a l'air de recommencer depuis le début. Vous comprendrez, n'est-ce pas, que je sois fermement résolu à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher cela Bien sûr, fit K. Mais ce que je comprends encore mieux, c'est qu'on se moque affreusement de moi, et peut-être même des lois. Pour ma personne, je saurais me défendre. Comment vous y prendrez vous? demanda le maire. Je ne peux pas le révéler, dit Ka. Je ne veux pas être indiscret, fit le maire. Je vous rappelle juste que vous avez en moi, je ne dirais pas un ami, car nous sommes de parfaits étrangers, mais un associé, en quelque sorte. J'interdis simplement que vous soyez engagé comme arpenteur mais pour le reste, vous pourrez toujours vous adresser à moi en toute confiance, dans les limites bien sûr de mon pouvoir qui n'est pas grand. Vous parlez sans cesse de mon engagement en conditionnel, et pourtant j'ai déjà été engagé. Voici la lettre de clam. La lettre de clam, dit le maire, c'est la signature de clam qui lui donne de la valeur et la rend respectable car elle semble authentique. Quant au reste. Euh... Pourtant je n'ose pas m'exprimer seule là-dessus. Midzi, s'écria t-il, puis il ajouta. Mais qu'êtes vous en train de faire? Les assistants et Midzi, longtemps restés sans surveillance, n'avaient manifestement pas trouvé le dossier recherché. Ils avaient ensuite essayé sans succès de remettre sous clé dans l'armoire la masse désordonnée de dossiers. C'est sans doute ce qui avait donné aux assistants l'idée qu'ils étaient en train de mettre à exécution. Ils avaient couché l'armoire par terre, bourré tous les dossiers à l'intérieur, et s'étaient assis avec midzi sur les battants de l'armoire, qu'ils essayaient ainsi de refermer lentement sous leur poids. Donc ils n'ont pas retrouvé le dossier, fit le maire. Dommage. Mais après tout, vous connaissez déjà l'histoire, nous n'en avons plus vraiment besoin. Et d'ailleurs, on le retrouvera sûrement. Il doit être chez l'instituteur, il y en a encore beaucoup chez lui. Mais approche toi avec la bougie, Midzi, et lis cette lettre avec moi. Midzi s'approcha, et parut encore plus grise et plus insignifiante, assise sur le bord du lit et appuyée contre cet homme débordant de vie, qui avait passé son bras autour d'elle. Seul son petit visage ressortait à la lueur de la bougie, avec ses traits nets et sévères, que seule la déchéance de l'âme venait adoucir. De l'âge venait adoucir. À peine eut-elle jeté un coup d'œil à la lettre qu'elle joignit délicatement les mains. C'est de Clam, dit-elle. Puis ils lurent ensemble la lettre, s'entretinrent quelques instants à voix basse, et enfin, tandis que les assistants poussaient un hurrah après avoir enfin fermé la porte de l'armoire et que Mitzi leur lançait juste un regard de reconnaissance, le maire déclara Midsy est tout à fait de mon avis et je peux oser vous le donner maintenant. Cette lettre n'a rien d'un document officiel. C'est une lettre privée. Cela se voit nettement à la formule de salutation. Cher monsieur, en outre rien n'y dit que vous êtes recruté comme arpenteur, il y a juste question en général de services auprès de l'administration comptale, et là non plus aucun engagement n'est pris. Au contraire, vous êtes seulement recruté comme vous le savez, autrement dit, c'est à vous qu'il incombe de le prouver. Enfin, pour les questions administratives, on vous réfère exclusivement à moi, le maire, comme votre supérieur hiérarchique et média chargé de vous communiquer tous les détails, ce que j'ai déjà fait pour l'essentiel. Quand on sait déchiffrer les documents officiels, et a fortiori les lettres non officielles, tout cela est parfaitement limpide. Que vous, qui êtes un étranger, vous ne l'ayez pas compris ne m'étonne guère. En substance, la lettre signifie simplement que CLAM compte s'occuper personnellement de vous s'il se trouve que vous êtes engagé au service de l'administration comtale. Vous interprétez si bien cette lettre, monsieur le maire, dit K., qu'il ne reste plus en fin de compte qu'une signature sur une feuille de papier vierge. Ne voyez-vous pas qu'ainsi vous déshonorez le nom de Clam, alors que vous prétendez le respecter Vous me comprenez de travers, dit le maire, je ne méconnais point la signification de la lettre. Mon explication ne la rabaisse pas, au contraire. Une lettre privée de Clam a bien sûr beaucoup plus d'importance qu'un document officiel. Simplement, elle n'a pas d'importance que vous lui attribuez. Connaissez-vous Schwarzer? demanda Ka. Euh, non, dit le maire. Mais toi, Midi, peut-être. Euh, toi non plus Non, nous ne le connaissons pas. C'est étrange, fit K. C'est le fils d'un gouverneur adjoint. Hmm, cher monsieur l'arpenteur, fit le maire, comment pourrais-je connaître les fils de tous les gouverneurs adjoints Bon, dit K. Alors vous devrez me croire sur parole. Le jour même de mon arrivée, j'ai eu une scène agaçante avec ce Schwarzer. Puis il a téléphoné pour se renseigner auprès d'un gouverneur adjoint. Nommé Fritz, qui l'a informé que j'étais engagé comme arpenteur. Comment expliquez-vous cela, monsieur le maire C'est très simple, fit le maire. Vous n'êtes encore jamais réellement entré en contact avec notre administration. Tous ces contacts ne sont qu'apparence, mais vous, ignorant la situation, les croyez réels. Quant au téléphone, voyez un peu. Chez moi, qui ai pourtant vraiment affaire avec les autorités, il n'y a pas de téléphone. Dans les auberges et autres, cela peut rendre service, un peu comme un appareil à musique, mais ce n'est rien de plus. Vous avez déjà téléphoné ici, non? Eh bien alors, vous allez peut-être me comprendre. De toute évidence, le téléphone fonctionne parfaitement au château. Le téléphone ne s'arrête jamais là-bas, m'a t-on dit, ce qui accélère beaucoup le travail, bien sûr. Ces conversations téléphoniques incessantes, nous les entendons dans nos téléphones à nous sous forme de murmures et de chants. Vous l'avez sûrement entendu, vous aussi. Or, ces murmures et ces chants sont les seules informations véridiques et fiables que nos téléphones locaux nous transmettent. Tout le reste est trompeur. Il n'y a pas de liaison téléphonique établie avec le château, et aucun central pour transmettre nos appels. Quand on appelle d'ici quelqu'un au château, tous les appareils des sections subalternes se mettent à sonner, ou plutôt ils se mettraient tous à sonner si, comme j'en ai la certitude, les sonneries n'étaient pas débranchées presque partout. Mais de temps à autre, un fonctionnaire accablé de fatigue éprouve le besoin de se distraire un peu, surtout le soir et la nuit, et il branche la sonnerie. Alors nous obtenons une réponse. Mais bien sûr c'est une pure plaisanterie. On le comprend d'ailleurs fort bien. Qui peut prétendre au droit de faire intrusion avec ses petits soucis domestiques au milieu de travaux très importants, et menés à une cadence folle? Comment même un étranger peut il croire que lorsqu'il s'appelle lorsqu'il appelle par exemple Sordini, c'est vraiment Sordini qui lui répond? Cela me dépasse. C'est sans doute plutôt un petit archiviste d'une autre section. Inversement, il peut bien sûr arriver qu'à une heure privilégiée, en appelant ce petit archiviste, on tombe sur Sordini lui même. « Mais alors, il vaut mieux s'éloigner à toute vitesse du téléphone avant d'entendre le moindre son. »« Je ne me représentais pas les choses comme ça, c'est vrai, » dit K. « Je ne pouvais pas connaître ces particularités. »« Mais je ne me fiais guère à ces, à ces conversations téléphoniques. »« Et j'ai toujours été conscient que seules les informations ou les résultats obtenus directement au château ont une véritable importance. »« Non, » dit le maire en rebondissant sur une expression. « Ces conversations téléphoniques ont une véritable importance. Comment en serait-il autrement ?» Comment se pourrait-il qu'un renseignement fourni par un fonctionnaire du château soit sans importance Je l'ai déjà dit à propos de la lettre de Clam. À titre officiel, toutes ces déclarations n'ont aucune importance. Si vous leur en attribuez une à titre officiel, vous vous fourvoyez. Mais à titre privé, elles ont une importance bien plus considérable qu'elles ne pourraient en avoir à titre officiel, que ce soit dans un sens favorable ou hostile. Bon, dit K. À supposer que tout ceci soit vrai. Je possède donc une foule de bons amis au château. À bien y réfléchir, lorsque voici plusieurs années cette section eut l'idée de convoquer un arpenteur. C'était déjà un geste d'amitié vis-à-vis de moi. Et c'est par une succession de pareils gestes que j'ai été attiré ici et me trouve menacé de renvoi. Dénouement pour le moins fâcheux. Votre interprétation comporte une part de vérité, dit le maire. Vous avez raison sur un point. Il ne faut pas prendre à la lettre les déclarations du château. Mais la prudence est partout de rigueur, pas seulement ici. Et elle est d'autant plus et elle l'est d'autant plus que la déclaration concernée a plus d'importance. Néanmoins, quand vous dites avoir été attiré ici, je ne saisis pas. Si vous aviez mieux suivi mon exposé, vous sauriez que la question de votre convocation en ces lieux est beaucoup trop complexe pour que nous puissions la régler ici au cours d'un petit entretien. En conclusion, dit Ka, tout est flou et sans solution, excepté mon renvoi. Qui aurait l'audace de vous renvoyer, monsieur l'arpenteur? dit le maire. « Le flou qui entoure les questions préalables vous garantit d'être traité avec la plus grande courtoisie. Vous êtes simplement trop susceptible, me semble-t-il. »« Personne ne vous retient ici. Mais vous n'êtes pas pour autant renvoyé. »« Oh, monsieur le maire, Fika, c'est vous maintenant qui de nouveau avez une vision simpliste. »« Je m'en vais vous énumérer quelques-unes des choses qui me retiennent ici. »« Les sacrifices que j'ai consentis pour partir de chez moi, le long et pénible voyage, les espoirs légitimes que j'avais formés à la suite de ma nomination ici. » mon absence totale de ressources, l'impossibilité où je suis de retrouver un emploi correspondant chez moi, et enfin, dernier élément, et non des moindres, ma fiancée qui est d'ici. Ah oui, Frida, dit le maire sans la moindre surprise, je sais. Mais Frida vous suivrait partout. Le reste, c'est vrai, demande mieux réflexion, et je vais en référer au château. Au cas où une décision interviendrait, ou s'il s'avère nécessaire de vous réinterroger au préalable, je vous enverrai chercher. Êtes vous d'accord? Non, pas du tout. Dit K. Je ne demande pas l'aumône au château, mais mon dieu. Midzi dit le maire à sa femme, toujours assise blottie contre lui, jouant d'un air rêveur avec la lettre de clame qu'elle avait transformée en petit bateau. Épouvanté, K la lui retira. Midzi, ma jambe recommence à me faire très mal. Il va falloir changer la compresse. K se leva. Dans ce cas, je vais prendre congé, dit-il. Oui, dit Midzi, déjà en train de préparer une pommade. D'ailleurs, il y a trop de courant d'air! Ka se retourna. Il avait eu à peine le temps de parler que, dans leur zèle intempestif, les assistants avaient ouvert les deux battants de la porte. Pour protéger le malade des violentes bouffées d'air froid qui pénétraient dans la chambre, Ka ne fit au maire qu'une rapide révérence. Puis, entraînant les assistants avec lui, il se précipita dehors et referma vite la porte. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. On se marque une pause. Putain, je kiffe. Je kiffe grave. Et du coup, je vois que, euh, en plus, au tout début de la lecture, si je ne dis pas de bêtises, euh, Zikaël avait laissé un message, donc, euh, hey, la forme. Hey, Zikaël, bienvenue sur ce live. Et oui, ça va bien, merci. Et toi Et d'ailleurs, pareil, au début de la lecture, si je dis pas de conneries... Nous avons eu un nouveau follow euh, de Capi974. Alors, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous, Capi974, mais euh, si c'est le cas, bah, bienvenue. Et merci pour ton follow, ça me fait plaisir. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe cette lecture, et de plus en plus. Parce que, euh, en fait, on commence à comprendre que le capharnaum, le flou artistique, euh, qui euh, était mise en place depuis 4 euh, chapitres, et vraiment tout à fait voulu, tout à fait travaillé par l'auteur. Bon, on s'en doutait déjà parce que justement il y avait déjà une certaine... Euh, un certain talent euh, dans l'écriture du roman. Mais, euh, mais là, ça vient... ça vient... Euh, ça vient euh, on va dire restructurer tout ça. Et là, ça y est, on commence à avoir un, dr un début d'intrigue. Euh, plus clair, plus limpide, avec du coup euh, bah, le personnage de euh, K euh, qui aurait été appelé pour être arpenteur dans le village du château. Euh, et du coup, ouais, on arrive enfin à en reconstituer un petit peu plus euh, l'histoire, euh, même si elle continue de sembler totalement abracadabra. Ah, ça y est, ça y est, lors du dernier live, j'ai réussi à dire ce mot 5 ou 6 fois d'affilée. Là, je me suis fait la première fois, je me, je me dégoûte. Euh, bref. <laughs> du coup, il y a toujours des détails abracadabrantesques. Et, euh, genre, les assistants, mais ils ont l'air totalement bizarres. Enfin. C'est pour ça aussi que j'ai fait une voix un petit peu. Le maire, je lui ai fait une voix un petit peu comme ça, un petit peu exagérée, etc. Parce que, plus que quelque chose de sinistre ou de taciturne, je trouve qu'il y a. Je trouve qu'il y a quelque chose de théâtral à toute cette absurdité. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un fort, euh, ouais, un fort domaine théâtral, un fort domaine, euh, comme je disais la dernière fois, euh, tragique. C'est-à-dire que les personnages sont investis de ce qu'ils disent, même si on a l'impression presque qu'ils savent pas ce qu'ils disent. Mais, euh, mais justement, il y a eu grave ce jeu avec le maire et euh, et K de. Euh, le maire qui toujours le reprend et dit Mais non, mais c'est la loi, mais non, mais en fait, euh, c'est pas ça, mais non, mais en fait. Bah, <laughs> Je sais pas, il, il était fort investi dans son truc et puis il faisait des longues phrases jolies mais qui voulaient un peu rien dire. Enfin, qui voulait dire des choses mais qui était plus. Euh, qui était plus euh, embrouillante qu'autre chose peut-être. Et justement, en inversant les rôles, en disant Mais non, c'est vous, K, qui embrouillez la situation, c'est parfaitement clair, voyons. Et du coup, là, je trouve qu'on commence à avoir de manière très précise dépeint le, le côté, euh, le côté euh, critique du bouquin. C'est-à-dire le côté, le bouquin qui critique euh, la manière dont est organisée la société, euh, peut-être la, peut la société administrative/slash industrielle. Slash gouvernemental, je sais pas jusqu'à où on peut voir la, la critique. Mais en tout cas, clairement, il y a quelque chose, il y a un jeu là-dessus. Et du coup, euh, il y a un, une sorte de message qui serait... Ce que, bah, la, phrase, euh, la phrase de K, en fait. Hein. La phrase de K qui dit, euh, en gros, tout est flou, quoi. En conclusion, tout est flou et sans solution, excepté mon renvoi. Enfin, voilà. C'est vraiment genre... Euh, on sait pas ce qui se passe... Euh, on essaie de faire, de garder une contenance et de dire mais si, on sait ce qui s'est passé, j'ai les dossiers, euh, tout est vérifié, il n'y a jamais d'erreur. Et puis il y a euh, 12 000 personnes qui vérifient, donc vous in vous inquiétez pas. Et euh, c'est marrant parce que, alors je vais pas dire que euh... je vais pas dire que j'en suis là, mais enfin ouais, c'est marrant parce que c'est un peu le genre de réflexion que moi personnellement je me fais IRL sur l'administration ou sur ce genre d'instance. C'est un peu ce côté... Euh, on a l'impression qu'on se fout de ta gueule. <laughs> je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu le ressenti caca par rapport au mère, par rapport euh, à tous les personnages qu'il rencontre petit à petit. L'impression que tout le monde est extrêmement bien organisé, mais dans un flou total dont même eux, ne... Enfin, dont même eux euh, ne, peuvent rien comprendre, mais font genre de tout comprendre et que tout va bien pour pouvoir continuer à euh, se foutre de ta gueule. <laughs> ben, je sais pas, je sais pas si c'est le propos exact du bouquin, je sais pas si Kafka avait tout ça en tête précisément. Si ça se trouve, c'est moi qui interprète. En tout cas, il y a clairement un propos sur l'administration, etc., et sur euh, sur l'oppression que ça peut représenter. Mais euh, du coup, je trouve ça vachement intéressant. On est passé sur, euh, encore une fois, sur un registre très différent avec ce chapitre, je trouve, par rapport aux deux lives euh, passés. Euh, et j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup quand les, quand les romans ou les œuvres en général euh, ont une grande gamme de couleurs, une grande palette de couleurs et qui sont capables de nous amener à différents endroits, etc. Genre là, moi, par exemple, alors c'est pas forcément tourner sous le ton euh, de l'ironie ou de l'humour euh, de l'humour clair quoi c'est un peu euh, subversif quoi un, voilà c'est un peu subtil comme ça mais euh, mais moi perso en lisant ça j'avais presque l'impression de de revoir le passage de du dessin animé astérix quand il demande le formulaire là c'est quoi déjà le formulaire je me rappelle plus mais euh, voilà, vous savez, ce, ce, fameux, ce fameux dessin animé Astérix où euh, l'administration lui dit euh, « Ah, il nous faut le formulaire euh, AB212, euh, je sais plus c'est quoi le nom du formulaire. » Et que du coup, Astérix et Obélix sont rendus à descendre des escaliers, monter des escaliers, et à chaque fois on leur dit « Bah non, mais pour ça, il faut le formulaire machin !» Et ainsi de suite, enfin bon bref. Et je trouve qu'il y a un peu cette... Euh, cette imagerie-là, euh, voilà, ce... Cette... Euh... Comment dire Cette mise en évidence de l'absurde euh, de, la, bah de la situation qu'occasionne l'administration. Enfin, là, dans, dans le discours du maire, il y a quand même des trucs de ouf, quoi. De dire, bah non, mais justement, justement, on est tellement organisé que quoi il y a des erreurs, on ne s'en occupe pas. <laughs> et, et pour lui, c'est un argument légit, tu vois. Enfin, bref, il y, y a des trucs qui sont vachement marrants dans le discours du maire et vachement. Euh... Vachement absurde, ni queue ni tête, mais en même temps, avec des jolis mots, un joli enrobage et, euh, et tout un discours qui va avec, bah on peut se dire Ok, d'accord, bon, bah, ils savent ce qu'ils font, euh, je vais faire confiance. <laughs> enfin, ouais. J'aime vraiment bien comment il écrit ce roman pour le moment. Et euh, Zikto s'est abonné avec Twitch Prime. Merci Zikto, ça me fait extrêmement plaisir. Merci du sub. Et, euh, et, et bonsoir, cher ami, j'espère que tu vas bien. Bonsoir également, Tran Ouais, voilà, c'est dans les douze travaux d'Astérix. C'est ça, c'est ça. Si j'ai... Enfin, si, ça, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais on sent bien que ce soit ça. De toute façon, je te fais confiance. Mais ouais, c'est grave cool. Franchement, cette lecture, pour le moment, me plaît bien. Elle est vraiment différente. C'est ça aussi que j'apprécie euh, dans les lives de lecture, c'est quand je vais vers des horizons euh, très divers et variés. Et là, je trouve la lecture très différente de tout ce que j'ai déjà pu faire en live et même de tout ce que j'ai pu lire dans ma vie en fait. Je vois pas de textes qui s'en rapprochent de près ou de loin euh, sur le ton. Alors après, euh, je dis pas, hein, j'ai pas une culture euh, j'ai pas lu euh, j'ai pas lu des bibliothèques euh, entières mais mais je trouve assez singulier quoi par rapport aux bouquins que j'ai déjà pu lire. Le prochain chapitre, chapitre 6, se nomme Deuxième conversation avec la patronne. Euh, D'ailleurs, c'était le titre du chapitre 4, Première conversation avec la patronne, si je dis pas de conneries. Euh, il dure 15 pages, donc je vais mettre un petit peu moins de temps à le lire. A priori, je suis parti pour genre euh, 30-40 minutes, un truc comme ça, je pense. Je vais changer le titre du live. Salut et salut, salut et bonsoir, mexicano, comment ça va ça me fait plaisir de voir que tu repointes la tête par, par ici. Ça fait plaisir de voir que tu as follow et que tu reviens. Les gens qui sont assidus et tout, ça me, oh, ça me, ça me remplit de joie. Vous êtes beaucoup très sympas. En vrai, c'est con, mais c'est ça qui est trop bien avec les lives. Il y a, y a des mecs qui sont hyper réguliers, qui viennent constamment, genre Zikael, voilà. Ouais, Zikael, c'est un pote, quoi. On se voit tous les jours, quoi. <laughs> voilà, Zikael, vraiment, on, on, se, on, se, on se, on se check assez souvent. Après il y a bah, par exemple Zicto, c'est marrant parce que c'est un pote IRL avant d'être euh, reviewer quoi, donc euh, c'est marrant c'est encore un autre cas de figure. Puis après il y a des nouveaux, il y a des gens qui viennent une fois de temps en temps et puis une fois de temps en temps tu te dis ah oh, putain mais ça fait un an qu'on n'a pas parlé. Enfin, je sais pas, j'aime trop l'ambiance des lives pour ça c'est insane. Tellement de gens euh, qu'on qu'on apprend à connaître de près ou de loin même si c'est peu c'est toujours intéressant quoi. Je m'en suis rendu compte là il n'y a pas longtemps. Genre euh, avec tous les contacts que j'avais sur Discord. Euh, aussi avec toutes les discussions que j'avais sur Twitch. Genre j'ai regardé ma messagerie Twitch et j'étais en mode mais putain mais en fait en 3-4 ans euh, j'ai parlé à tellement de gens différents et tellement de gens intéressants. Donc euh, ouais, c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup Twitch pour cela. Il y a vraiment un côté euh, agora j'ai envie de dire. C'est à dire qu'il y a vraiment... Euh, c'est la place où tout le monde vient parler quoi. C'est vraiment agréable. Et du coup, bonsoir industrias, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir, vous êtes nombreux. Écoutez les gens, je vais pas euh, tergiverser davantage et je vais entamer la suite de la lecture de ce soir. J'ai très peur. Bon, j'espère que le live va pas se couper. Euh, parce que euh, bah parce qu'il y a de la pluie et du vent. énervé sa mère chez Wam. Donc, on va, on va prier. Mais bon, ça devra le faire, il reste pas grand chose à lire. Euh, Mexicano, c'est toi qui es qui est sur Sea of Thieves Oui Oui, 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 je fais des lives sur Sea of Thieves. Euh, Là, ce soir, c'est un live de lecture. Mais demain, il y aura un live sur Sea of Thieves à 21h pour la découverte de la mise à jour Legends of the Sea. Donc voilà, si c'est les lives Sea of Thieves qui t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre demain à 21h, cher ami. Yep, c'est tempête ce soir. Ah ouais, carrément tempête Je sais pas si j'aurais été jusqu'à dire tempête, mais ouais. Ça commence à s'énerver un peu plus. Bah du coup, ça me fait peur pour la suite du live. Bref, je vais commencer le plus rapidement possible la suite, comme ça. Euh, comme ça, on sera pas interrompu par le vent et la pluie. Voir l'orage, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais je pense pas. Enfin bon, bref. En tout cas. Euh, bah je vous souhaite à tous une bonne écoute Bonne écoute Zikael, bonne écoute Zikto Tran, Mexicano, Industrias Et je vous dis à tout à l'heure Pour l'outro, je reviens d'ici euh, Ouais, 20, 30 minutes Truc comme ça, j'en sais rien euh, Sachant que comme d'habitude pour les nouveaux venus euh, Comme d'habitude Pendant mes lectures, je ne m'interromps pas Pour que ce soit un maximum fluide et agréable à vos oreilles Donc, euh, bah, à tout à l'heure Ça bug un peu, Mexicano Ah ouais est-ce que d'autres personnes dans le chat ont des bugs Parce que chez moi ça semble nickel pour le coup. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne écoute que vous me regardiez sur YouTube ou en live sur Twitch et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Bonne écoute. Chapitre 6. Deuxième conversation avec la patronne. L'aubergiste l'attendait devant l'auberge. Comme il n'aurait pas osé ouvrir la bouche sans être interrogé, K lui demanda ce qu'il voulait. As tu trouvé un nouveau domicile? demanda l'aubergiste, fixant le sol des yeux. C'est ta femme qui t'a chargé de m'interroger? fit K. Tu lui es très soumis, n'est ce pas? Non, fit l'aubergiste, ce n'est pas elle qui m'a chargé de t'interroger. Mais elle est très émue et malheureuse à cause de toi. Elle ne peut pas travailler. Elle reste couchée à soupirer et à se lamenter sans arrêt. Faut-il que j'aille voir demanda Ka. Je t'en supplie, fit l'aubergiste. Je suis déjà allé te chercher chez le maire. J'ai écouté à la porte là-bas, mais vous étiez en conversation. Je n'ai pas voulu vous déranger et puis je m'inquiétais pour ma femme. Je suis rentré ici en courant, mais elle ne m'a pas laissé entrer. Il ne me restait donc plus qu'à t'attendre. Bon, alors viens, dépêche-toi. J'aurais tout fait de la calmer. Pourvu que ça soit possible, fit l'aubergiste. Ils traversèrent la cuisine illuminée où trois ou quatre serveuses, chacune à un endroit différent de la pièce, se figèrent littéralement au milieu de leur ouvrage en apercevant K. Dès la cuisine, on entendait les soupirs de la patronne. Elle était couchée dans un réduit sans fenêtre, séparé de la cuisine par une mince cloison de planches. Il y avait juste assez de place pour un grand lit conjugal et une armoire. Le lit était disposé pour que l'on puisse y dominer du regard toute la cuisine et superviser le travail. Depuis la cuisine, en revanche, on ne voyait presque rien du réduit, il y faisait très sombre et seule la literie rouge clair reflétait un peu la lumière. Il fallait d'abord entrer et laisser le regard s'accoutumer avant de distinguer les détails. Vous voilà enfin dit la patronne d'une voix faible. Elle était étendue sur le dos, ayant visiblement du mal à respirer, et avait repoussé les dredons. Au lit, elle avait l'air beaucoup plus jeune qu'habillée. Mais elle portait un bonnet de nuit en fine dentelle, pourtant trop petit. Qui ne tenait pas sur sa coiffure et rendait pitoyable son visage défait. Comment pensiez-vous que je viendrais fit Ka doucement, puisque vous ne m'avez pas fait demander. Vous n'auriez pas dû me faire attendre aussi longtemps, dit la patronne avec l'entêtement des malades. Asseyez-vous, fit-elle en désignant le rebord du lit, et sortez, vous autres. Outre les assistants, les serveuses, elles aussi, s'étaient entre-temps immiscées dans la pièce. Tu veux que je m'en aille moi aussi, Gardena fit l'aubergiste. C'était la première fois que Ka entendait le nom de la femme. Bien sûr, dit elle lentement, et comme si d'autres pensées l'occupaient, elle ajouta d'un air distrait. Pourquoi donc devrais tu rester, justement? Une fois qu'ils se furent tous retirés dans la cuisine, cette fois même les assistants obéirent, obéirent aussitôt mais à vrai dire ils couraient après une serveuse, Gardena fut encore assez vigilante pour se rendre compte que de la cuisine on pouvait entendre tout ce qui se disait ici, le réduit n'ayant pas de porte. Et elle leur ordonna à tous de sortir aussi de la cuisine. L'ordre fut aussitôt exécuté. S'il vous plaît, monsieur l'arpenteur, fit ensuite Gardena, il y a un châle suspendu juste devant vous dans l'armoire. Passez-le-moi. Je vais m'envelopper dedans. Je ne supporte pas les dredons. J'ai trop de mal à respirer. Une fois que K lui eut apporté le châle, elle lui dit Regardez, c'est une belle étoffe, pas vrai K trouvait qu'il ressemblait à un châle de laine banale. Il le palpa encore une fois pour lui faire plaisir, mais ne dit rien. C'est vraiment un beau châle. Pardon, c'est vraiment un beau châle, fit Gardena, et elle s'y enveloppa. Elle était maintenant allongée paisiblement, toute douleur semblait avoir disparu. Elle remarqua même qu'elle s'était décoiffée en restant allongée, et se redressa un petit instant pour arranger un peu sa coiffure autour de son petit bonnet. Elle avait une chevelure opulente. K s'impatienta et dit Vous m'avez fait demander, madame la patronne si j'avais trouvé un nouveau domicile. Je vous l'ai fait demander dit la patronne. Non, il y a erreur. Votre mari vient de me le demander. C'est fort possible, fit la patronne. Cet homme est un calvaire. Quand je ne voulais pas de vous ici, il vous a gardé. Maintenant que je suis contente que vous logiez ici, il vous chasse. Il agit toujours à peu près comme ça. L'opinion que vous avez de moi, fit K, a donc changé à ce point En une heure ou deux En une ou deux heures Je n'ai pas changé d'opinion fit la patronne d'une voix plus faible donnez-moi la main là et maintenant promettez-moi d'être parfaitement sincère et moi aussi je vais l'être avec vous bon fit K mais à qui de commencer à moi fit la patronne moins par bienveillance envers K semblait-il que par désir de parler la première elle sortit une photographie de sous le matelas et la tendit à K regardez cette photo fit-elle d'un ton implorant pour mieux voir K recula dans la cuisine mais même là on avait du mal à distinguer quoi que ce soit sur cette photo, car elle était décolorée par les ans, craquelée, compressée et tachée. Elle est en piteux état, Fika. Hélas, hélas, dit la patronne, quand on porte les choses toujours sur soi année après année, c'est ce qui arrive. Et en regardant bien, vous allez distinguer tous les détails. D'ailleurs, je peux vous aider. Dites moi ce que vous voyez, cela me fait très plaisir d'entendre quelqu'un parler de cette photo. Eh bien, que voyez vous? Un jeune homme, pica, en effet, fit la patronne, et que fait il? Je crois qu'il est couché sur une planche, il s'étire et il baille. L'aubergiste éclata de rire. Vous vous trompez complètement, dit elle. Pourtant, voici la planche et le voilà couché, insista Ka. Regardez mieux que ça, dit la patronne agacée. Est ce qu'il est vraiment couché? Non, fit Ka. Il n'est pas couché. Il est suspendu en l'air, et maintenant je vois ce n'est pas une planche. Ce doit être un fil. Et le jeune homme est en train de sauter en hauteur. C'est ça, dit la patronne satisfaite. Il saute. C'est ainsi que s'exercent les messagers de l'administration. Je me disais bien que vous le comprendriez. Voyez-vous aussi son visage Je le distingue fort mal, fit K. Il est visiblement en plein effort. Il a la bouche ouverte, il cligne des yeux, et il a les cheveux au vent. Fort bien, me félicita la patronne. On ne peut rien repérer de plus, à moins de l'avoir vu en personne mais c'était un beau jeune homme, je ne l'ai entreaperçu qu'une fois, et jamais je ne l'oublierai. Qui était ce donc? demanda K. C'était, dit la patronne, le messager que Clam m'a envoyé la première fois qu'il m'a appelé. K n'entendit pas bien, il fut distrait par un tintement de verre. Il découvrit aussitôt la cause de ce dérangement. Les assistants étaient dehors dans la cour et sautillaient d'un pied sur l'autre dans la neige. Ils faisaient semblant d'être heureux de le revoir, tout joyeux, il se le montrait du doigt tout en cognant sans arrêt à la fenêtre de la cuisine. Sur un geste menaçant de K, ils s'arrêtèrent aussitôt, essayèrent de se pousser réciproquement, mais aucun n'arrivait à rattraper l'autre et ils se retrouvaient devant la fenêtre. K se précipita dans le réduit où les assistants ne pouvaient pas le voir de l'extérieur et d'où il n'était pas obligé de les voir. Mais les petits coups faisaient teinter la vitre, comme pour l'implorer, le poursuivirent encore longtemps. Encore une fois, les assistants. S'excusa-t-il en désignant la cour. Mais sans faire attention à lui, la patronne lui avait repris la photographie, l'avait regardée, lissée, puis de nouveau glissée sous le matelas. Ses gestes étaient devenus plus lents, non par fatigue, mais sous le poids du souvenir. Elle avait l'intention de lui raconter l'histoire, et elle en avait oublié qu'à. Elle jouait avec les franges de son châle. Enfin, après un petit temps, elle releva la tête, se passa la main sur les yeux, et dit Ce châle aussi me vient de Clame, et aussi ce petit bonnet. Cette photo, ce châle et ce bonnet de nuit, ce sont les trois souvenirs que j'ai de lui. Je ne suis pas jeune comme Frida, je ne suis pas aussi ambitieuse qu'elle, pas aussi sensible non plus, elle est très sensible. Bref, je sais m'adapter à la vie, mais je dois avouer que sans ces trois objets je n'aurais pas tenu aussi longtemps ici, je n'aurais sans doute même pas tenu une journée. Ces trois souvenirs vous semblent peu de choses peut-être mais voyez vous, Frida, qui a si longtemps fréquenté Clam, n'en possède aucun. Je lui ai demandé, elle est trop exaltée, et aussi, trop exigeante moi par contre qui n'ai été que trois fois chez Clam ensuite il a cessé de m'appeler j'ignore pourquoi j'ai emporté ses souvenirs comme si j'avais pressenti combien mon temps serait bref certes il faut prendre l'initiative Clam lui-même ne donne rien mais si l'on voit là quelque chose qui vous convient on peut le demander ces histoires avaient beau le concerner au premier chef elles mettaient Cam à l'aise et tout cela date de combien de temps demanda-t-il en soupirant de plus de vingt ans, fit la patronne. Fit la patronne, nettement plus encore. On reste donc si longtemps fidèle à Clam, fit K. Mais vous rendez-vous compte, madame la patronne, qu'en me faisant de pareils aveux, vous m'inspirez de graves inquiétudes si je songe à mon futur mariage. La patronne trouva K indécent de vouloir réintroduire ici ses propres affaires, et elle le regarda de travers d'un air courroucé. Ne vous fâchez pas, madame la patronne, dit K. Après tout, je ne dis rien contre Clam. Néanmoins j'entretiens par la force des circonstances certains rapports avec lui, même son plus grand admirateur ne peut le nier. Bon. Du coup, chaque fois qu'on évoque Clam, je suis forcé de penser aussi à moi c'est inévitable. Songez en outre, madame la patronne, et en disant ces mots, K saisit sa main hésitante, à la conclusion désastreuse de notre dernière conversation, et que cette fois ci, nous voulons nous quitter, beaux amis. Vous avez raison, dit la patronne en baissant la tête, mais ménagez moi. Je ne suis pas plus susceptible qu'une autre, au contraire. Chacun a ses points sensibles, et moi je n'ai que celui-là. Hélas, c'est aussi le mien, dit K. Mais je saurai me dominer. Maintenant, expliquez-moi, madame la patronne, comment je ferai pour, su pour supporter dans mon mariage cette effrayante fidélité envers Clam, à supposer qu'en cela Frida vous ressemble. Cette effrayante fidélité, répéta la patronne en grondant. C'est donc de la fidélité À mon mari je suis fidèle, mais à Clam. Clam fit de moi jadis sa maîtresse. pourrais jamais perdre ce titre Et vous me demandez comment supporter cela chez Frida Mais monsieur l'arpenteur, qui êtes-vous pour oser poser cette question Madame la patronne, fit en la mettant en garde. Je sais, fit la patronne avec docilité, mais mon mari ne m'a jamais posé de telle question. J'ignore qui doit être considérée comme la plus malheureuse, moi autrefois ou Frida maintenant Frida qui a délibérément quitté Clam, ou moi qui l'a cessé d'appeler Peut-être est-ce Frida après tout, même si elle ne semble pas encore en avoir pris toute la mesure. Mais mon malheur dominait plus exclusivement mes pensées, car je ne cessais de me demander, et au fond je me le demande encore, pourquoi cela est-il arrivé Par trois fois Clam t'a appelé, mais pas une quatrième fois, non, jamais une quatrième fois Avais-je d'autres préoccupations à l'époque Quel autre sujet de conversation pouvais-je avoir avec mon mari que j'épousais peu de temps après Dans la journée, nous n'avions pas le temps. Nous avions repris cette auberge dans un état lamentable et nous devions essayer de la faire prospérer. Mais la nuit, des années durant, nos conversations nocturnes tournèrent exclusivement autour de Clam et des causes de son revirement. Et lorsque mon mari s'endormait durant ces conversations, je le réveillais et nous continuions à parler. Si vous me le permettez, fit K, je vais maintenant vous poser une question d'une extrême grossièreté. La patronne se tut. Donc je ne peux pas vous la poser, dit K. Même cela me suffit. Bien sûr, dit la patronne, que même cela vous suffit. Et comment Vous interprétez tout de travers, même le silence. C'est plus fort que vous. Je vous autorise à poser votre question. Si j'interprète tout de travers, Fika, j'interprète peut-être aussi ma propre question de travers. Peut-être n'est-elle pas si grossière que ça. Je voulais simplement savoir comment vous avez fait la connaissance de votre mari et comment cette auberge est entrée en votre possession. La patronne fronça les sourcils mais dit calmement. C'est une histoire très simple. Mon père était forgeron, et Hans, mon mari actuel, qui était palefrenier chez un gros fermier, venait souvent chez mon père. C'était peu après ma dernière rencontre avec Clam. J'étais très malheureuse, je n'avais en fait aucune raison de l'être, car tout s'était passé correctement, et si je n'avais plus le droit d'aller le voir, c'était la décision de Clam, et donc parfaitement correcte, seules les causes restaient obscures. J'avais le droit de les examiner, mais je n'aurais pas dû être malheureuse. Enfin, je l'étais malgré tout. Je ne plus bon à rien, et je passais mes journées assises dans notre jardinet. C'est là que Hans me voyait. Parfois il venait s'asseoir à côté de moi, je ne me plaignais pas devant lui mais il savait de quoi il retournait, et, gentil comme il est, il lui arrivait de pleurer avec moi. L'aubergiste de l'époque avait perdu sa femme, il devait renoncer à son commerce, de surcroît il se faisait vieux, lorsqu'un jour il passa devant notre jardin, et nous vit assis là, il s'arrêta et nous proposa sans autre formalité la gérance de l'auberge, il ne demanda pas à être payé d'avance car il avait confiance en nous et proposa un bail très avantageux. Je ne voulais pas devenir un fardeau pour mon père, tout le reste m'était indifférent, et c'est ainsi que, songeant à l'auberge et à ce nouveau travail qui m'aiderait peut-être un peu à oublier, j'accordai ma main à Hans. Voilà l'histoire. Il y eut un petit instant de silence, puis K ajouta. C'était un beau geste de la part de l'aubergiste, mais un geste imprudent à moins qu'il ait eu des raisons particulières de vous faire confiance à tous les deux. Il connaissait bien Hans, fit la patronne, c'était son oncle. Alors cela va de soi, dit Ka. La famille de Hans tenait donc manifestement beaucoup à cette alliance. Peut-être, fit la patronne, je n'en sais rien. Je n'en suis jamais préoccupé. Mais forcément, dit Ka, si la famille était prête à faire de tels sacrifices, et à placer l'auberge entre vos mains sans autre garantie, cela n'avait rien d'imprudent, la suite l'a démontré, fit la patronne. Je me suis attelée au travail, j'étais forte, car j'étais fille de forgeron. Je n'avais besoin ni de garçon, ni de serveuse. J'étais partout, à l'auberge, à la cuisine, à l'écurie, dans la cour j'étais si bonne cuisinière, qu'à midi je récupérais même des clients de l'auberge des messieurs. Vous n'avez encore jamais été dans l'auberge à midi, vous ne connaissez pas nos clients de midi. À l'époque il n'y en avait encore davantage, nous en avons beaucoup perdu depuis. Le résultat c'est que non seulement nous avons pu honorer le bail, mais qu'après quelques années, nous avons même acheté l'ensemble, qui aujourd'hui est remboursé dans sa quasi-totalité. L'autre résultat, certes, c'est que j'y ai perdu la santé, que je suis devenu cardiaque, et que je suis maintenant une vieille femme. Vous me croyez peut-être beaucoup plus âgé que Hans, mais en réalité, il n'a que deux ou trois ans de moins que moi. Et jamais il ne vieillira, c'est sûr, car avec son travail, fumer la pipe, écouter les clients, vider sa pipe et parfois aller chercher une bière, avec un travail pareil. On ne vieillit pas. Votre réussite est étonnante, dit K. Cela ne fait aucun doute. Mais nous parlions de l'époque avant votre mariage, et à ce moment-là, il aurait tout de même été bizarre qu'au prix de sacrifices financiers, ou du moins en prenant le risque considérable de vous donner l'auberge, la famille de Hans est poussée à ce mariage en comptant sur votre seule force de travail, encore inconnue, et sur celle de Hans, dont on avait déjà dû constater l'absence. Allons, dit la patronne fatiguée. Je vois bien où vous voulez en venir, et comme vous vous trompez. Il n'y avait pas de trace de clam dans tout cela. Pourquoi aurait il dû s'occuper de moi? Ou plutôt, comment aurait il pu le faire? Il ne savait plus rien de moi. Il avait cessé de m'appeler, cela indiquait qu'il m'avait oublié. Quand il cesse d'appeler quelqu'un, il l'oublie complètement. Je ne voulais pas en parler devant Frida. Mais ce n'est pas juste de l'oublier, c'est beaucoup plus. Car une personne qu'on a oubliée, on peut refaire sa connaissance. Avec clam, c'est impossible. Quand il cesse d'appeler quelqu'un, il ne l'a pas seulement oublié sous l'angle du passé, mais aussi littéralement pour tout l'avenir. En me donnant beaucoup de peine, j'arrive à lire dans vos pensées, des pensées qui n'ont pas de sens ici, mais qui ont peut-être cours dans le lointain pays d'où vous venez d'où vous venez. Peut-être êtes vous assez fou pour croire que Clam m'ait donné Hans pour mari, afin que je puisse aller le voir sans difficulté si jamais il m'appelait à nouveau. Eh bien, on ne saurait pousser la folie plus loin. Quel homme pourrait m'empêcher d'accourir si Clam me faisait signe? C'est absurde, complètement absurde. On s'embrouille les idées à envisager pareille absurdité. Non, Fika, nous ne voulons surtout pas nous embrouiller. Mes pensées n'allaient pas aussi loin que vous le supposez, même si, pour être franc, elles en prenaient le chemin. Je m'étonnais juste que votre belle famille ait fondé tant d'espoir sur ce mariage et qu'il se soit bel et bien concrétisé, même si c'est au prix de votre cœur et de votre santé. L'idée d'un lien entre ces faits et Clame était en train de s'imposer à moi, c'est vrai. Mais pas, ou du moins pas encore, avec la grossièreté que vous lui prêtez dans le but évident de pouvoir me rabrouir une nouvelle fois, puisque cela vous fait plaisir. Eh bien, donnez-vous ce plaisir. Mais voici ce que je pensais. D'abord, Clam est manifestement la cause de votre mariage. Sans Clam, vous n'auriez pas été malheureuse. Vous n'auriez pas été assise dans le jardin à ne rien faire. Sans Clam, Hans ne vous y aurait pas aperçu. Sans votre tristesse, Hans aurait été trop timide pour oser vous parler. Sans Clam, vous ne vous seriez pas trouvé en larmes auprès de Hans. Sans Clam, le bon vieil oncle aubergiste ne vous aurait jamais vu assis paisiblement l'un près de l'autre. Sans Clam, la vie ne vous aurait pas été indifférente, et vous n'auriez donc pas épousé Hans. Il me semble que Clam est déjà assez présent dans tout cela. Mais ce n'est pas tout. Si vous n'aviez pas cherché à oublier, vous n'auriez sûrement pas travaillé en vous ménageant si peu, et votre commerce n'aurait pas autant prospéré. Donc ici encore, Clam. Mais même sans cela, Clam est encore la cause de votre maladie car votre cœur était déjà épuisé par cette passion malheureuse avant votre mariage. Reste donc à savoir pourquoi ce mariage séduisait tant la famille de Hans. Vous avez dit vous même qu'être la maîtresse de Clam, c'est une dignité qu'on garde toute sa vie. Voilà donc peut-être ce qui les a séduits. Sans compter, je crois, l'espoir que la bonne étoile qui vous avait guidé vers Clam a supposé que ce fût une bonne étoile, mais vous l'affirmez. Vous appartenez en propre, et donc vous protégerez au lieu de vous quitter aussi vite et brusquement que Clam l'avait fait. Pensez-vous tout cela sérieusement demanda la patronne. Sérieusement, fit K aussitôt. Je crois juste que la famille de Hans n'avait ni complètement raison, ni complètement tort d'espérer. Et je crois aussi comprendre l'erreur que vous avez faite. En apparence, tout semble avoir réussi. Hans est nanti, il a une femme imposante, il est estimé, et l'auberge est remboursée. Mais en fait, tout n'a pas réussi. Il aurait sûrement été beaucoup plus heureux avec une jeune fille simple dont il aurait été le premier grand amour. Si, comme vous le lui reprochez, il reste parfois debout sans rien faire dans l'auberge avec un air perdu, c'est qu'il se sent vraiment perdu. Sans en être malheureux, c'est sûr, je le connais déjà suffisamment bien. Mais il n'en reste pas moins qu'avec une autre femme, ce garçon beau et intelligent aurait été plus heureux, et j'entends par là aussi plus indépendant, plus travailleur, et plus viril. Et vous non plus, vous n'êtes sûrement pas heureuse. Comme vous l'avez dit, sans vos trois souvenirs, vous renonceriez à vivre, et de plus vous êtes cardiaque. La famille avait elle donc tort d'espérer? Je ne crois pas. La bénédiction plane est au-dessus de vous, mais on n'a pas su la faire descendre. Et qu'a-t-on donc oublié de faire? demanda la patronne. Elle était maintenant étendue sur le dos et regardait le plafond. D'interroger Clam. Ce qui nous ramène à vous, fit la patronne. Ou à vous, dit Ka. Nos affaires se jouxtent. Qu'attendez-vous de Clam? fit la patronne. Elle s'était assise dans son lit, avait secoué les oreillers pour pouvoir s'appuyer et regardait Ka droit dans les yeux. Je vous ai raconté en toute franchise mon cas, dont vous auriez pu tirer quelques enseignements. Dites-moi maintenant avec la même franchise ce que vous voulez demander à Clam. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre Frida de monter dans sa chambre et d'y rester. Je craignais que vous ne soyez pas assez franc en sa présence. Je n'ai rien à cacher, dit Ka. Mais d'abord, je veux vous signaler une chose. Clam oublie aussitôt, disiez-vous. Or, cela me paraît, primo, fort peu probable, et secondo, c'est indémontrable. Ce n'est visiblement qu'une légende sortie de l'esprit juvénile de celle qui était, au... qui était tour à tour dans les bonnes grâces de Clam. Je m'étonne que vous prêtiez foi à une invention aussi banale. Ce n'est pas une légende, fit la patronne. C'est ce qui ressort de l'expérience générale. Une nouvelle expérience peut donc le contredire, dit K. Mais il y a encore une autre différence entre votre cas et celui de Frida. Clam n'a pas cessé d'appeler Frida. D'une certaine façon, les choses ne se sont pas passées comme ça. Il l'a au contraire appelée. Mais. C'est elle qui n'a pas obéi. Il se peut même qu'il soit encore en train de l'attendre. La patronne se contenta de promener un regard attentif sur K sans rien dire. Je veux écouter calmement tout ce que vous avez à dire, répondit elle enfin. Parlez avec franchise, ne me ménagez pas. Je vous demande juste une chose. Ne prononcez pas le nom de Clam. Désignez le par il ou comme vous voudrez mais pas par son nom. Volontiers, fit K mais j'ai du mal à dire ce que j'attends de lui. D'abord je veux le voir de près ensuite je veux entendre sa voix ensuite je veux savoir ce qu'il pense de notre mariage. Quant à ce que je lui demanderai éventuellement ensuite, cela dépendra du déroulement de l'entretien. Nous nous dirons peut-être bien des choses, mais pour moi l'essentiel est d'être en face de lui, car je n'ai encore jamais parlé directement avec un véritable fonctionnaire. Cela semble plus difficile à obtenir que je ne le croyais. Mais maintenant j'ai le devoir de lui parler à titre privé, et à mon avis c'est beaucoup plus facile à réaliser. En sa, qualité de en sa qualité de fonctionnaire, je peux seulement lui parler dans son bureau, qui est peut-être inaccessible, au château, ou bien, ce qui est déjà problématique, à l'auberge des messieurs. Mais à titre privé, je peux le faire n'importe où, à l'auberge, dans la rue, là où j'arriverai à le rencontrer. Si en plus j'ai aussi le fonctionnaire en face de moi, je m'en féliciterai, mais ce n'est pas mon premier objectif. Bon, dit la patronne en plongeant son visage dans les oreillers, comme si elle tenait des propos indécents. Si par mes contacts j'arrive à faire transmettre à Clam votre demande d'entretien, promettez moi, en attendant que la réponse redescende ici, de ne rien tenter de votre propre initiative. Cela je ne peux pas vous le promettre, fit Ka, malgré mon vif désir de satisfaire votre requête ou votre caprice car le temps presse, surtout après l'issue défavorable de mon entretien avec le maire. Cette objection tombe d'elle même, dit la patronne. Le maire est quantité négligeable. Vous ne l'avez donc pas remarqué, il ne pourrait pas conserver son poste un seul jour sans sa femme. C'est elle qui dirige tout. Midi? demanda K. La patronne inquiessa. Elle était présente, fit K. S'est-elle exprimée demanda la patronne. Non, fit K. Mais je n'ai pas eu non plus l'impression qu'elle en était capable. Bien sûr, fit la patronne, puisque votre perspective sur les choses d'ici est tellement erronée. En tout cas, ce qu'a décidé le maire à votre sujet est sans importance. J'en parlerai avec sa femme à l'occasion. Et si je vous promets par dessus le marché que la réponse de Clam arrivera d'ici une semaine au plus tard, vous n'avez plus aucune raison de ne pas céder à ma demande. Tout cela ne suffit pas, dit Ka. Ma décision est prise, et j'essaierai de la mettre à exécution même si la réponse était négative. Ayant cette intention dès le départ, je ne vais pas commencer par solliciter cette entrevue. Ce qui sans cette demande reste une tentative peut être audacieuse, mais, de bonne foi, serait un geste ouvert d'insubordination après une réponse négative. Ce serait assurément beaucoup plus grave. Plus grave, fit la patronne, c'est de l'insubordination dans les deux cas. Maintenant agissez à votre guise. Passez-moi ma jupe. Sans se soucier de cas, elle enfila sa jupe et se précipita dans la cuisine. Cela faisait déjà un certain temps que l'on entendait du brouhaha dans la salle à manger. On avait frappé à la lucarne. Les assistants l'avaient ouverte une fois brutalement en criant qu'ils avaient faim. Puis d'autres visages étaient apparus. On entendait même chantonner doucement, mais à plusieurs voix. Il est vrai que la conversation de K avec la patronne avait fort retardé la préparation du déjeuner. Il n'était pas encore prêt, mais les clients étaient tous là, personne néanmoins n'avait eu l'audace d'entrer dans la cuisine malgré l'interdiction de la patronne. Mais dès que ceux qui observaient par la lucarne annoncèrent que la patronne arrivait, les serveuses se précipitèrent dans la cuisine, et lorsque K entra dans la salle, les clients étonnamment nombreux, plus d'une vingtaine d'hommes et de femmes habillés de façon provinciale plutôt que paysanne, quittèrent la lucarne où ils étaient rassemblés, et se ruèrent vers les tables pour s'assurer d'une place. Dans un coin, seul un couple était déjà installé à une petite table avec quelques enfants. Le mari, un homme sympathique aux yeux bleus, à la barbe et aux cheveux gris et hirsutes, était debout, penché vers les enfants. Et pendant qu'il chantait, il battait la mesure avec un couteau tout en essayant de les faire chanter moins fort. Peut-être voulait-il leur faire oublier leur faim en chantant. La patronne adressa d'un air indifférent deux ou trois mots d'excuses à ses clients. Personne ne lui fit de reproche. Elle chercha autour d'elle l'aubergiste, mais devant cette situation difficile, il avait sans doute pris la fuite depuis longtemps. Puis elle alla lentement dans la cuisine, tandis que K courait dans sa chambre rejoindre Frida. Elle ne lui lança plus un seul regard. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. Hmm. Wow, mal à la gorge. <laughs> Et du coup, spoiler, attention, le chapitre 7 est titré L'instituteur. Donc la prochaine fois, a priori, on va rencontrer le personnage de l'instituteur dont on a déjà parlé plus tôt dans le texte. C'est cool, on commence à avoir une, une vraie fresque de fond. Enfin, on a l'impression que... Euh, tout le château et tout le village du château fonctionne euh, d'une manière très euh, comment dire connecté entre guillemets. Enfin, on sent que ça forme euh, des réseaux quoi. On sent qu'il y a des liens entre tout le monde etc et que c'est complexe du coup. Euh, et ça, je trouve c'est grave cool pour euh, bah, comme euh, tapisserie de fond entre guillemets pour l'histoire. GG pas un répit. Et oui, bah oui, euh, la lecture, faut pas que je m'arrête, sinon euh, forcément c'est moins, moins sympa. Euh, par contre, tu disais du coup qu'il y avait un bug sur la qualité. Euh, je pense que c'est juste que la qualité euh, de la cam n'est pas très très folle. J'en suis désolé, je peux pas forcément faire mieux. Euh, c'est pas un bug, c'est juste la qualité de ma cam qui n'est pas terrible. J'hésite à acheter une meilleure cam, mais bon, je ne sais point trop. Et du coup, bonsoir Neiris, bienvenue sur ce live, ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé, j'ai l'impression. Euh, bonne année d'ailleurs. Bonne année à tous ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. C'est vrai que je ne l'avais pas dit à tout le monde. On oublie, on oublie. Vu que les lives défilent, j'oublie de fêter la bonne année. De souhaiter la bonne année. Bonne année à tout le monde Bref. <laughs> euh, par contre, c'est chaud. Ce chapitre m'a tué. C'est-à-dire que ce chapitre était beaucoup plus complexe à lire que le précédent, alors qu'il était plus court. Et, euh, et là, j'ai plus, plus de voix. J'ai plus de gorge. Donc, euh, c'est donc bien qu'on s'arrête là pour ce soir. Euh, J'espère que ça va aller pour les lives de demain et le, et le live de vendredi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une lecture où je fais des phases de lecture aussi longues. Là, ces derniers temps, je faisais plutôt euh, 20 minutes, une pause, 20 minutes, une pause, 20 minutes, une pause. Et là, sur, ce, sur cette œuvre, je fais plutôt du. 30-40 minutes, une pause, 30-40 minutes. Donc c'est assez intense, assez intensif. Mais après j'ai pas envie de séparer les chapitres en plusieurs choses parce que voilà les chapitres sont, sont bien découpés quoi. Les chapitres ont un sens, ont un, une unité de sens que j'ai pas envie de séparer. Et, euh, et en plus ouais elles, elles font avancer l'histoire comme il se doit. C'est-à-dire que a chaque chapitre, on a le titre du chapitre, et on sait de quoi le chapitre va parler, et, euh, et on, on arrive bien à voir ce qu'il raconte en général. Il y a vraiment une action du début à la fin de, du chapitre. C'est vraiment sur ce côté-là très précis. Et je trouve que ça aide bien à se figurer euh, l'action et, et le déroulé des événements. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, je pense que je vais faire l'effort de continuer à lire les chapitres en entier. Faudrait juste que je fasse des pauses et que je boive une petite lampée une fois de temps en temps, en fait. Enfin bon, bref. Euh, sinon, sur le chapitre qu'on vient de lire, je trouve ça étonnant la manière dont la patronne a changé euh, assez rapidement de. d'humeur, de, bah, entre guillemets, et d'opinion, si on peut dire, sur, euh, sur K, même si elle dit ne pas en avoir changé au final, mais bon. Après, est-ce que c'est si étonnant parce qu'au final, c'est ce que je répète depuis le début du texte, il y a plein de petits éléments qui semblent absurdes et ça fait partie du, ça fait partie du truc en fait, ça fait partie du flou artistique de l'œuvre, euh, ça fait partie euh, la dose d'absurde euh, de ce qui doit faire tiquer le lecteur et se dire il y a un truc qui déconne dans tout ce système. Euh, donc au final, ça a du sens. Euh, du coup... On continue à, enfin on continue à pas avoir trop l'idée de ce qui va se passer vraiment avec clam euh, c'est marrant comment il donne une sorte de une sorte de presque presque vous savez comment ça s'appelle j'ai peur de dire une connerie donc je vais chercher sur le mot je vais chercher sur le mot ouais je vais chercher le mot sur internet j'ai un mot en tête mais je suis pas sûr du mot Non, c'est pas ce mot-là. Euh, ok. Euh, c'est comment les, les personnes sacrées en Inde Ah, je me rappelle plus. Enfin bref, vous voyez, en tout cas en Inde, il y a, y, a, y a des personnes euh, élues sacrées, entre guillemets. Enfin, ouais. Et, euh, et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, quoi. On a un peu l'impression que. Euh, on a un peu l'impression que. Euh, Clam, et du coup, euh, tous les gouverneurs adjoints, etc., tous les gens du château sont entre guillemets intouchables et qu'on ne peut rien dire sur eux, mais même pas par une, en fait même pas par une tyrannie directe, mais par une tyrannie indirecte. En fait, on a l'impression que tous les personnages n'ont pas conscience de la tyrannie et qu'ils semblent avoir une sorte de de respect, euh, de respect euh, inébranlable envers euh, leur gouvernant. Euh, bah déjà le maire qui était en mode vous, vous rendez compte la dose de travail qu'ils abattent euh, par rapport à nous, etc. etc. Euh, là, par exemple, euh, Frida ou la patronne euh, qui euh, court encore après, entre guillemets, euh, Clam et les euh, trois fois, les trois souvenirs, enfin, les trois objets souvenirs des trois fois où elle a vu Clam, enfin, et au final que ça régit totalement toute sa vie. Et, euh, et en fait, ouais, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment que les personnages ne se rendent pas du tout compte de cela. Et du coup, pour moi, ça fait vachement, euh, ouais, tyrannie euh, dissimulée entre guillemets, quoi, avec euh, une sorte de d'adulation euh, de, de clame des gouvernements, des gouvernants adjoints, euh, une béatitude envers eux, euh, qui et justifié par euh, « bah non, c'est les lois, c'est les règles, ils, font, ils travaillent beaucoup, tout ça, tout ça ». enfin euh, En fait, c'est assez marrant. Alors, je sais pas si on peut vraiment relier euh, ce que je suis en train de dire avec... Enfin, euh, si on peut vraiment relier le texte avec ce que je m'apprête à dire. Mais en fait, c'est marrant parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube euh, d'un mec que j'apprécie plutôt pas mal, qui s'appelle Franck Lepage et qui fait des ateliers de désintoxication de la langue de bois. En fait, c'est marrant parce que lui, euh, bah, l'une de ses grandes thèses, l'une des idées qu'il qui donne souvent, c'est de dire qu'on ne peut pas faire une critique efficace du capitalisme euh, parce que petit à petit le vocabulaire envers le capitalisme a été remplacé uniquement par du vocabulaire positif, et que du coup, si on critique du positif, bah forcément on passe pour un teubé ou on passe pour euh, un, un mec euh, qui se met en marge des autres etc, etc. Euh, on se met un mec, en, enfin on se met en position euh, où on nous prend pas au sérieux parce que du coup on se dit mais il a rien compris il critique euh, quelque chose de qualitatif enfin bref et du coup je trouve qu'il y a un peu alors, je sais pas, encore une fois, c'est peut-être parce que je suis pile plongé dans ce genre de vidéos en ce moment que ça me fait penser à ça et que j'interprète comme ça le texte. Donc là, c'est encore une fois que mon avis, que mon opinion et que euh, bah, mes, euh, mes extrapolations. Mais est-ce qu'il ouais, y aurait pas un petit truc euh, comme ça, sous-jacent comme message dans le texte de Kafka, de dire, euh, bah, en fait... Euh, la hiérarchie, la société, le système, euh, la structure est tellement bien huilée, tellement parfaite, et s'immisce tellement dans la vie privée aussi. C'est un point important qu'il a relevé. S'immisce tellement dans la vie privée de chaque individu qu'en fait, ça balaye totalement, ça renfloue totalement euh, les limites, les barrières, les frontières entre vie privée, euh, travail. Euh, fonctions etc et que du coup bah tout le monde euh, entre guillemets accepte le pli euh, sans jamais critiquer sans jamais revenir sur le truc et tout parce que bah c'est comme ça et pas autrement comme on dit quoi c'est ils ont pas le ils ont plus peut-être la possibilité de penser contre ce système du coup ils pensent, ils pensent forcément pour en se disant bah non il n'y a pas de souci si ça marche comme ça Enfin bref, je sais pas si je suis ultra clair et si ça a beaucoup de sens ce que je suis en train de dire pour vous. Encore une fois, j'ai peut-être été un chouïa phagocyté euh, par les vidéos que je regarde en privé en ce moment. Mais c'est vrai que euh, je trouve vraiment que dans le château de Franz Kafka, il y a un message sur euh, la manière dont bah, l'individu se retrouve euh, indifférencié par euh, par la collectivité enfin euh, par, so par le système collectif enfin je sais pas trop comment appeler ça ici ça serait je sais pas si on pourrait dire que ici c'est le capitalisme parce que euh, ici on n'a pas entendu vraiment beaucoup parler d'économie ou de ou de ou de hum, mince je trouve pas le terme ou d'industrie etc etc pour le moment c'est encore assez vague au final euh, à quoi sert toute cette structure justement. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans ce. dans ce délire-là malgré tout. Bref. Voilà voilà Je pense que j'en ai assez dit. Et en effet, tout à l'heure je, par... je voulais parler des castes hindous-industrias en effet. En effet, en effet. Je pense en avoir dit assez euh, pour aujourd'hui. C'est vraiment un texte intéressant c'est vraiment un texte intéressant qui diffère vachement de ce que j'ai l'habitude de lire mais qui, euh, qui prête à réfléchir c'est ça aussi qui est intéressant en fait c'est que au delà d'être une fiction euh, agréable à découvrir il prête vraiment à réfléchir alors qu'il n'est pas du tout euh, écrit sous le sous le mode de la leçon de philosophie ou de de la théorie euh, politique etc quoi donc ouais, vraiment intéressant, vraiment intéressant ce texte, j'ai hâte de découvrir la suite, ça sera vendredi à 21h avec le chapitre 7, l'instituteur, et le chapitre 8, en attendant Clam. Euh, Peut-être qu'on fera plus de chapitres si ces deux chapitres sont trop courts, parce que là je vois que ça a l'air court, bref, on verra, euh, deux ou trois chapitres la prochaine fois vraisemblablement. Merci à tous ceux qui sont passés, merci Zikao, merci Tran, merci Mexicano, Industrias, Neiris... Euh, merci Zecto encore une fois pour l'abonnement, ça fait plaisir. Euh, et euh, bah on se retrouve demain, demain c'est la journée gaming sur la chaîne Planeteo. Euh, Peut-être un live de 13h à 16h sur Oxenfree, euh, avec certainement le début d'une troisième partie d'Oxenfree. Donc voilà, ce sera demain 13h16h, et sur à 99,9%. Live de découverte de la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves Legends of the Sea à 21h demain. Certainement en compagnie de Walkyrax, euh, peut-être Mirani, mais je crois qu'il travaille. Peut-être Tran s'il en a envie. Peut-être d'autres gens s'ils si en ont envie, je proposerai à mes mates. Enfin bon, bref. Et, euh, et sinon, bah, dimanche, euh, live de découverte sur l'univers League of Legends, comme d'habitude. Voilà, comme ça vous avez tous les rendez-vous de la semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à tous... Au revoir <laughs> Je ne savais pas comment termine cette phrase, <laughs> l'angoisse. Et vous dis à tous, à la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye